estás? Das Gravio! J'adore, putain, mais j'adore! Doubidou, stash, stash, eh? Putain, mais y'a pas, wesh. Fatigué. Bah, je sais pas, c'est Morane qui me dit ça. Franchement, je sais pas, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Oh putain, mais oui, mais moi je suis pas censé savoir, les gars. Bah non, je suis pas censé le savoir, frère. Je suis joueuse. Putain. Mais wesh. Attends. Ouais, mais tu penses que je peux mettre ça en live? Whist. Bah, il l'a dit, mais en fait, les gars, sur les annonces de Flashback, il dit connectez-vous pour la fin de Flashback. Mais frère, moi, j'ai pas sur les lives des gens pour voir ce qui se passe, tu vois. Bah, c'est ça, Whist. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Attends, bah, juste, il free kill tout le monde et il dit t'attends 10 minutes et tu peux repartir. Bonsoir, bonsoir, Diaz. Ah ouais, putain. Il pouvait pas faire ça après la fin de journée, là. Putain. Putain! Ah ouais. Oh non, ben ouais, mais non, ça c'est nul. Enfin, c'est nul. Eux, ils s'éclatent, mais putain. Ah ouais, putain. J'avoue, ça fait chier. Hein. Mais genre, t'es pas mort RP quand même. Ben, je connais Fatal Bazooka. Je connais. Ah ouais, pfff. Ah ouais! Oh putain! Oh putain, ça casse les couilles! Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait, les gars, du coup, vu que ce que vous me dites, là. Oh, putain. Coucou, Titi, ça va ou quoi? Oh, putain. Bah, j'ai parlé de... Bah, écoute, je suis un peu... Je suis un peu contrariée parce que... Apparemment, c'est le feu sur le plateau. Attends, on va la faire s'asseoir comme ça. J'adore les débuts de live comme ça, ouais. Une équipe. La grosse. Ce qui se passe, mais je suis sûre que ça va aller. Regardez la grosse. C'est ce que je n'ai pas arrêté de me répéter aussi. Faut que je la mette bien devant, tu vois. Tu sais combien tu comptes pour moi. Attends, non, enfin, tu ne crois tout de même pas que je suis en colère parce que tu es allé chez Steffi. Ça ne peut pas être ça. Non, c'est Steffi. Je veux seulement être sûre que tu te rappelles bien. Eh les gars, si vous avez des replays de Amour, Gloire et Beauté ou les Feux de l'Amour, n'hésitez pas. Attends, je regarde les MP. Et si jamais nous, si nous arrivons à surmonter cette épreuve, si on s'accroche tous les deux, alors... Putain, y en a un qui frappe à la porte. Là, t'es en train
de me rendre très nerveuse, Liam. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, grand-père! Je suis enceinte. Je dis qu'il sonne à la porte! Putain! Il a toujours pas la clé! Ouais, mais putain, j'étais à regarder mes photos, là! Oh merde! J'arrive, je vais m'habiller! J'ai cassé le télé! J'ai cassé la télé! Ouais, tu peux pas dire bonjour! Ouais, bonjour le vieux, ça va? J'étais en train de regarder le feuilleton! Ouais, pour changer, ouais, ton grand cul devant la télé! Bah, le télé, le câble, il a cassé! Ah ouais! Merde alors! Bah ouais, je suis tout, on va l'allumer le télé! Non, c'est R. Oh là là, en déco. Qu'est-ce que je suis nul as fuck. Oh là là, c'est une catastrophe. Hein. Bah, je remets le feuilleton là, le vieux. Ouais, vas-y. Bon, tu fermes une gueule, hein. Je parle si je veux. Coucou Philippe. Qui c'est qui est enceinte? Qui est? Ah oui, c'est vrai, elle était enceinte, putain. Eh, Sud, ça l'a trop suivi, genre. Liam. Je t'aime, enfin. Tu es mon mari, on forme une équipe. Et je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais je suis sûre que ça va aller. Oui, c'est... C'est ce que je n'ai pas arrêté de me répéter aussi. Tu sais combien tu comptes pour moi. Quoi? Attends, non, enfin, tu ne crois tout de même pas que je suis en colère parce que tu es allé chez Stéphanie? Ah ouais. Ça ne peut pas être ça. Non, mais je veux seulement être sûr que tu te rappelles bien combien nous nous aimons tous les deux. C'est ça le plus important. Et si ouais, jamais, t'aimes pas. Si nous arrivons à surmonter cette épreuve, si on s'accroche tous les deux, alors... Ouais, alors... Là, t'es en train... de me rendre très nerveuse, Liam. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, en RP, elle est branchée sur les deux autres télé, tu vois. Je suis enceinte. Je suis pas en vrai. Oh, je suis une catastrophe, ça, le vieux. Ah. Allez, lui a fait un enfant dans le dos. Ouais, je suis Stéphie. Putain, j'arrête pas de le dire. Elle est vraiment habillée, la chaîne LOL. Oh, ouais. Je suis bi quand j'avais 20 ans. Et ça, c'est Jock. Tu as bien nagé? Oh, c'était juste ce qu'il me fallait après ma garde à l'hôpital. Il est bio, hein? Ça a été avec elle. Ah ouais, il est beau garçon. Ah oui, elle adore passer du temps avec ses grands-parents. On a toute la soirée pour nous, alors. Tu préfères qu'on reste ici? Regarde, quand t'as le sourire, on dirait Pommy. Regarde. Ah ouais, ton portrait est craché. Non, c'est un travail fait sur mesure pour moi, t'as raison. Je me prépare pour un poste de ce type depuis plusieurs années. Alors fonce, tu dois saisir cette opportunité. L'entreprise aura la meilleure représentante en droit social et tu seras payé pour faire ce que tu aimes. Oh, elle est jamais contente, elle. Je connais personne de plus qualifié pour ce poste. Tu vas tous les épater. Tu ne peux pas passer à côté d'une opportunité pareille. Oh, elle a eu un flashback. Elle a repensé. Oh, j'ai Sophie, pas compris. Ouais, t'as pas compris, bah oui, j'ai compris, hein. Regarde-le. Le putain! C'est le putain! Ouais, je suis allé couper ses cheveux, elle est pas bien là, comme je suis obligé de pour. Oh non, je suis pas le même! Tiens, tu tombes à pic. J'avais justement besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est Cathy. Elle voudrait avoir mon avis sur cette mise en page, mais j'arrive pas du tout à me. Mais Cathy, elle a couché avec lui, et comme tu me connais mieux que personne. Coucou, ce boy, ça va ou quoi? La mise en page, ouais. Ouais, le sacré mise en page, hein, qui va lui bête! Oh, le vieil, on est là en page. Hop là. Ça va, ma petite. Attention, je m'assois. Oh. J'ai discuté avec Paris. Mais pourquoi t'as supprimé Soussou? Elle pourquoi m'a tu l'as banni? Déban mon petit sous-boy. Mais elle va pas l'accepter. Elle va pas, bah non, elle va pas l'accepter, hein. Bah non. Je trouve que Paris serait une merveilleuse recrue pour les créations Forrester. Pas toi? C'est vrai, ça.
Dis, Daniela, il faudra qu'on passe à ton LTD. Mais pourquoi t'es pas encore au LTD? Regarde-le, l'autre, là-bas. À propos du poste, j'espère. Je ne veux surtout pas te forcer la main, et je sais que je t'ai dit que tu pouvais prendre... Il me faut quelques petits trucs. Oh, tu peux aller faire les courses? Oui. Je te demandais si tu n'avais pas... On ira après le feuilleton. Ouais. Après le feuilleton, regarde le bouclette, elle grand bien, mais j'aime pas comment la couper ses cheveux. Paris pourrait habiter ici. Ouais, elle a la même coupe que le bec. Ouais, chaud. Vous êtes des jaloux, elle est très bien comme ça. Ça me touche beaucoup que Ridge et Carter veuillent donner un coup de pouce à ma petite sœur. T'aimes bien les femmes aux cheveux courts, toi, c'est nouveau. Et je suis à peu près sûre qu'elle va dire non. Oh, je veux ma bébé. Steven. Oh, si tu veux ma bébé, on regarde en photo. Ça va bien, Steven. Il a trompé Steffi. C'est super. Regardez quoi la télé? Bah regarde Amour, Gloire et Beauté, hein, t'es le chien quand même. Pour tout ce que tu voudras. C'est vrai que bah donc nous chercher des pop-corn. Ah, il n'y a plus d'avion pour les îles Galapagos pour le moment. Ah bah super. On pourra y aller demain. Ils nous font chier. Ouais, ils nous font chier, ah putain. Ouais. Je sais bien, grand-mère, tu t'en diras plus. T'as vu ça un peu? Je suis vraiment fier aussi. Bon, une fois qu'elle se rappelle de quelque chose... Amour, écoute-toi, je t'ai pas sonné. Pardon, ma puce. Ça va affecter notre famille. Oh, ouais, voilà, ça va affecter le famille, je le rebâtis, chaud, hein. Nos deux familles. Qu'est-ce qui se passe? Liam. Mais dis-y, bordel! Dis-moi ce qu'il y a. Dis-y, elle attend ta bébé. Allez, crache le morceau. Putain. Je suis pas vrai. Ouais. Et de ce poste? Il va l'accepter. Il veut toujours pas accepter. Oh là! Je n'ai jamais eu l'intention de causer des problèmes entre toi et ta sœur. Il se barre. Hé, revise grand-mère, on a vu ce boss de bite, là, regarde. Il causer des tensions. Ouais, Daniel, là. Bah, à chaque réparation, il parle, monsieur. Ma femme, elle est pas pervertie comme toi, ça l'intéresse pas. Chez ma mère, j'ai pas trouvé les pop-corns, j'ai trouvé des sucettes. Tu veux une sucette? Merci. Grand-mère, elle aime bien le sucette. T'en veux une, pépère de sucette? Ouais, Daniela, merde, hein. T'en veux une, maman? Ouais, je t'ai vu, ouais. Arrête de passer devant la télé, Steven, bordel. Ouais. Désolé. Je ne vais pas te... Mais y'a cassé le télé. T'as fait des interférences avec ton... Putain. Merci beaucoup, Carter. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi elle ne veut pas que tu travailles. Putain, y'a cassé le télé. T'as bien fait, Steven, c'était de la merde. Putain, Steven! Attends, je vais remettre les fils. Oh, désolé, maman. C'est l'univers de Zoé ici. Tu sais, elle est devenue un... Putain, élément important. Putain, y'a qu'un seul télé, salopard. Pour l'avenir. Elle est pas juste un mannequin, elle aide à créer l'ensemble de la collection. Attends. C'est énorme comme truc. Et en plus, elle est... On est arrivé à 6 minutes 49. Ce ne sont que des bonnes choses. Putain, mais qui a cassé la télé? Bah, Steven! C'est Momo! On va devoir aller en acheter une autre. Tu crois qu'on a que bah ça voilà à faire? On n'a plus de télé, voilà, on peut pas finir le feuilleton de ta faute, hein! Putain! On va en racheter une, Momo! Putain! Bon! La bricole là, sinon, c'est comme une fusée, Steven! Ouais! Ah ouais, je l'ai réparé! Faudra qu'on aille le rendez-vous avec le banquier, oui, donc du coup. Faudra qu'on aille. Au magasin! Ouais, au magasin. Ouais, pour raconter des vêtements, le vieux, hein. Faut mettre un chemise propre, hein. Eh ben, allons faire des courses et des vêtements. Oh là, on y va. Bon, on va faire attention, on va rester dans le nord. Sandy Shore, vas-y, y'a trop personne, t'as vu. C'est où le parc? On va faire attention. J'entends un hélico. Bon. J'ai un ami qui vient, maman. Ouais, bah j'entends des hélicos, mais j'ai peur. Ah, je sais pas pourquoi, mais je sens mauvais. C'est Peter qui tourne après Lily avec son hélicoptère. Ouais, c'est vrai. Il a dit qu'il avait un hélicoptère. Oh non, mais je suis con, mais... C'est chaud, non? Je crois qu'il est venu chercher Lily. Je suis paumé. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dû se caler de votre voiture là. Bon, on y va tous ensemble avec celle-ci.
Bah ouais, mais j'aimerais pas savoir du scalé votre tonton. J'ai une amie qui va arriver à la maison. Là, elle est garée dans le parking à côté. Je voulais pas la mettre ici. Une amie. Moi, ça va. Oui, Circle, je vais travailler au coiffeur. Maintenant, là, mais on s'en va. Oui, elle arrive, là. Oh, oh, fils ballo. Bah, elle est là. Oui, chiche, veux. Qui c'est, Steven? Bonjour, Circle. Bah, toi, c'est toi, Steven. Dame. Bah, ouais, je m'affiche, qu'est-ce que c'est toi. Salut, bah, attends, les bouge jeunes. Pas, Steven. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Eh, hey, bonsoir. Ouais, je suis venu. Tyler, tu es venu hier, toi. Ouais. Mais bah, oui, oui. Mais Steven, je suis là. Eh, fais gaffe, Steven, tu veux jouer au golf? Non, j'ai fait gaffe, je suis avec une tête que je fais au golf, hein. Je vais faire un tag de golf. Tu aimes le golf? Oui, j'aime bien le golf. Viens, on va jouer au golf. Viens avec moi. Non, t'approches pas de ma fille. Non, viens chez Steven. Viens avec moi. Bisba, chez eux. Eh, Bisba, Bisba, qu'est-ce que t'es veux? Mais on va jouer au golf, madame. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Bah, pour tirer dans des balles. Tu vas tirer dans quel ball? Pour les mettre dans le trou. J'ai chat que je vais mettre dans le trou, football camp. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. J'ai dit football camp. Non, 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 mais j'aime pas qu'on va jouer avec ma fille sans bonne autorisation, hein. Viens ici. J'arrive, Steven! C'est mon ami! Écoute ta mère! Putain, écoute-toi, Réali! Et pourtant, je suis bien obligé. Ma maman, elle veut pas! Non, je veux pas! Ta maman, elle me dit oui, hein! On doit partir en plus, on est pressé! Putain, eh, Visba, Visba, elle a pris ma fille! Eh, écoute, papa! Mais je vais te le dire, hein! J'y vais, cocha! Pourquoi tu me parles à moi? Mais j'y vais, cocha! Je te le dis, je me remets pas ma gamme, je vais m'énerver, hein! Fais gaffe, hein! Mais pourquoi tu me parles à moi? C'est quoi ce foutoir? Ouais, j'ai une copine. Grand-père. Oui, copine à moi. Grand-père, parle-toi avec lui, ouais. Je vais aller chercher Steven. C'est un bon garçon, Tyler, je l'aime bien. Eh ben oui, mais c'est pas moi qu'il faut dire ça, hein. Moi je suis pour rien. Ah, du ski, Steven. Ils sont partis jouer au golf, non? Bah oui. Putain, va chez les voisins, t'y. Tu vas manger un coup de macane, ouais. Petit ingrat, dégage de là. Mais on va pas toucher à Steven là. Mais pourquoi t'as fait ça sur quel? Ça fait mal à la tête. Viens ici, bah, Steven, viens là-bas, bébé, viens là-bas, bébé, viens là-bas, bébé. Vous avez de la chance que vous êtes vieille, du coup je vais pas vous taper. De quel droit vous frappez, Steven? Écoute-moi, Béati. Mais non, on joue au golf. Écoute-moi bien, Tibi, je vais te dire à... Pourquoi tu m'as fait ça, Circle? Mais je vais te dire à de choses, hein. Mais je suis sans mère, hein. On joue au golf. Non, je l'ai vu, tu l'as tapé. Il est grand, hein, il s'est géré tout seul. Et fais gaffe, hein, parce que je m'appelle Daniela. Et vise bas que je peux te tirer les couettes, bah, hein. Fais gaffe, parce que moi, je m'appelle Circle comme le cercle. Et Mich, des rats d'un tu t'appelles Cirque carré ou triangle. Bah, moi, j'en ai rien Mich à foutre que bah, tu comprends? Fais gaffe, hein, Tia. Mais ça va pas. Fais gaffe, hein, parce que si je me mets sur tes côtes, tu vas virer de gueule, hein. Ouais, j'ai bien compris. Je vais te mettre sur mes côtes. Ouais, je vais te mettre sur tes côtes, hein, fais gaffe, hein. Faut pas toucher mes gamins. C'est une menace, hein. Ouais. C'est une menace. Ouais, faut pas toucher mes gamins. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang, hein. Mais tu touches pas. Elle lui a foutu un coup avec son bâton. Mais si j'ai envie de jouer au golf avec lui, je joue au golf. Tu demandes. Elle a pas dû faire exprès. D'abord, Esther, t'as compris? Bah non, je lui ai demandé à lui, il m'a dit oui. Donc ça te regarde pas. J'espère, je me regarde. Fais bah gaffe, non, ça te regarde pas. Chiche, super, fais bon, gaffe. Bon, maintenant, Circle, on va signer le papier pour que je travaille avec vous. Pourquoi fais gaffe? Fais gaffe, ouais, je suis super. Oui, on va signer le contrat, Circle. Mais je vais aller à la police, ça. Hein. Après. Je vais quel contrat? Mais tu veux parler à la police? Ouais, je parle à la police, ça. Tu veux parler à la police? Mais vous avez perdu la tête. Dégarbissez d'ici. Je ne veux plus jamais vous voir, je vais appeler la police. Allez, attendez, je t'aimais bien, Tyler, mais tu viens nous faire des problèmes. Regardez. Attends, Bisba, je vais appeler la police, tu veux. Elle a rien fait. Je vais appeler la police, mais tu vois. Bande de vieux croutons. Je vais appeler la police. Allez, on y va. Bouh. SSP, bonsoir. Ouais, oh, vous êtes devant chez moi. Vous arrivez à temps. Ah, monsieur. Et ça, il y a une agression. Là-bas, non. C'est par eux, là-bas. La dame avec les cheveux roses nous a attaqué avec sa batte de golf. Ouais, elle a attaqué mon fils, hein. Oui. Elle est là-bas avec les cheveux roses. Mais attends, mais non, ça va attaquer votre fils. Ouais, bonjour, elle a... les agents. Elle a mis, un coup de club de batte de baseball. C'est vous, madame? Elle a frappé mon fils. C'est chez qui ici? Bonsoir. C'est chez qui, là, ici, là? C'est chez nous. C'est chez nous, la famille Monroe, monsieur. Est-ce que vous voulez qu'ils partent, ces agents-là? Est-ce que vous voulez qu'ils partent?
Ouais, je veux qu'il parte et surtout qu'elle s'excuse. Ah, ouais, ouais. Ah, bah, allez, on circule, c'est une propriété privée. T'es quoi chez moi, en fait? Ah bon, vous faites passer qu'en fait... Oh vous... Mais attends, mais c'est n'importe quoi. Comment ça, c'est pas chez vous? Mais non, j'habite à côté, là. Moi, j'ai jamais dit que c'était chez moi. Et pourquoi tu lui parles à elle? Si, on... Non, bah, je parle à tout le monde, là. L'avocat, il y en a qui disent que c'est chez eux, là, ici. Là. Mais on habite dans la maison. Ouais, ils ont voulu cambrioler, hein. On va tous se taire, d'accord. On va tous se taire. Je vois que ça commence à partir à gauche, à droite. D'accord. Je veux un interlocuteur qui parle et ensuite, on continue. Parce qu'à part crier, il y a rien qui sort. Je vais parler. Dis-moi, mon garçon, dis-moi. Circle a demandé à faire du golf et voilà, ça lui a pas plu le golf. Voilà, et du coup, ils se sont inventé une excuse comme quoi elle frappait tout le monde et compliquait ce qu'il y avait dans les baraques. Et en anglais, ça donne quoi du coup? Parce que j'ai rien compris. Tranquillement, calme-toi. J'ai compris. Madame derrière, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je me présente, je m'appelle Daniela Baudreau, je suis la maman de Steven. Il y a la fille en rose, elle a dit va jouer avec Steven au golf, elle l'a tapé. Et après, je me suis interposé, elle m'a tapé. Pas besoin de pleurer, madame, tranquillement, d'accord? Bah, la mienne. On est dans ce qu'on appelle un souci de voisinage. Ouais. Moi, ce qui va se passer, d'accord? C'est, il y a deux solutions. Soit on règle ça à l'amiable, on discute, vous discutez entre vous, on trouve une solution, soit, malheureusement, on va tous aller au poste, ça va être très long, et les solutions, c'est nous qui allons les trouver. Vous préférez quoi? Bah, moi, je préférais qu'elle fasse ses excuses à Steven, elle nous a tapé, à Pia, à la mamie aussi, à Ilou, bébé. Comment ça, elle a frappé mamie? Ouais, elle a frappé mamie et moi non, aussi! Non, j'ai pas frappé mamie, allez. C'est bon ça! Calmez-vous! Elle t'a tapé! Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Oui, elle nous a tous frappé! Et vous réglez ça entre vous de façon pacifiste. Oui. Aussi, comme je vous ai dit, on doit intervenir. Là, c'est tout le monde qui va au poste et on en discute tout ça. Partir, oh, y'a Ross! Oh, Ross! Viens, ma garçon, viens, Ross! Merci beaucoup, faites attention les petits jeunes, d'accord? J'ai des voyous, hein! Ils nous ont tapé, hein! Ouais, on va porter plainte, hein! On va porter plainte, hein! 10-19 général, mon champion. Ah, bah, il faut que j'aille au poste, Daniela, mais on s'occupe pas de ça, je vais. Je vous connais bien, circuler, etc. Bah oui, parce que je me sens pas en sécurité devant chez moi. Bah oui, hein! Je vais parler avec eux, vous inquiétez pas, je les connais, je vais arranger la situation, ok? Ouais, ça va, vous les connaissez, ils nous ont agressés quand même. Bisous, Rosa, bisous. Donc, connais pas, si vous passez au poste, on prendra votre plainte. Ouais, bah oui, on arrive. On arrive. Mais bah, tant pis, tu vas pas travailler. Eh, ma pelouse, là. Ça fait ma famille, parce que j'allais travailler avec toi. Dégagez de la pelouse, là. Allez, dégagez de ma pelouse, là. Allez, c'est chez moi, ici. Allez, circule. Circule. Tu vois, elle, c'est une grosse clocharde. Attends. Ouais, j'ai entendu. Il a dit c'est une grosse clocharde. J'ai bien fait pour ta gueule et tu vas avoir plein de problèmes. Bah non, je vais pas avoir de problème. Bah je viens de menacer les gens, madame. Bah, ouais, bah ça, c'est des menaces, madame. Bah je vais porter plate. Voilà. Bah là, vas-y, je t'attends. Pas de problème, la police est venue. Ah oh, oh merde. Tu m'as écrasé. Oh là là, tiens, mange ça. Attends, vise-bas. Maman, je pense que je vais faire des conneries. Faire des conneries, maman. On va aller à la police, tu vas venir. Je vais lui faire drôle. Viens, on va à la police. Voilà, pour le tout. Oh, je vais aller chercher le couteau de cuisine, maman. Hein. Non, chauffe, fais pas de bêtises, hein. Voilà, pouls. Vise bas. Oh, j'ai mal un peu la tête. Mais ça va, j'avais mon casque. C'est vrai? Je sais pas, quand on va voler la pouls, on va porter plate. Ça va être mon ennemi, Circle, c'est fini. Comme ça, on va demander des dommages et atterri. Putain, regarde où tu vas! Bah oui! Ils sont étranges tes amis, Steven, tu devrais te méfier! C'est pas mes amis, Pépère! Allez, on y va, on va porter plate! Également, on va être distribué des armes lourdes à certaines personnes. Ceux qui n'ont pas les PPA, bien évidemment, vous les aurez pas parce que ça en va de. Bah, c'est plutôt logique. Donc voilà, sauf si on estime que là il y aurait besoin et du coup bah, à ce moment là on vous donnerait une arme un peu plus lourde, on verra. Mais du coup, même si là on n'est pas beaucoup, à mon avis à 21h45 ça va commencer à arriver fortement. Donc on reste cool, on ne fait pas n'importe quoi et la soirée va très bien se passer. Ouais, exactement. Austin, t'as quelque chose à rajouter ou pas?
Je sais pas, je vais pas rester là. On va porter plainte et on va demander du débauchement. Exactement. Là, pour le coup, ils étaient dans la propriété de Ray, donc à partir du moment propriété privée, faut les faire dégager, quoi. À ce moment-là, oui. Vise pas, vise pas. Grand-mère, tu pleures, pleure, grand-mère. Ok. Ok, moi, je sais pourquoi elle était là. Du coup, par rapport à votre travail, est-ce que vous allez recevoir de nouveau une prime de 5 000 $ comme la dernière fois sur votre paye. Donc, si vous avez une paye un peu plus grosse, d'ailleurs, Billy, je te dois encore 1 000 $, j'ai oublié. Donc là, vous allez recevoir encore de nouveau une grosse prime en plus de votre salaire, donc profitez-en, parce que bah, là, ça fait 2 fois, mais la prochaine fois, ça pourrait être dans longtemps. Mais qu'est-ce qu'il y a, ZZ? Sinon, j'ai pas grand-chose à remonter de plus, mais en vrai... Attention, Daniela, merde! De parler aussi. Mais exprès, faut qu'elle prie, hein! Oui, je crois. Mon billet. Oh là, je sais bien, grand-mère, continue comme ça jusqu'à temps l'arrivée des policiers. C'est quoi les dispatchs un petit peu qui a été fait, là? Tu vas... Mais non, du coup, on est pas assez, faites des unités... Prêt à coup, là! Je pleure au moment devant la police! Ok, j'ai cru que c'était... Ouh, il se passe quoi? J'ai cru que c'était 4 personnes. C'est les Vietcong qui reviennent. J'ai quoi, chat? Ok, ça fait mal. Pourquoi ça fait la sonnerie comme ça? Je mettrai avec toi. Oh putain, les vieux. Je suis allé chez la fin du monde. Et pour le reste, on reste en radio et on... Putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, ZZ, arrête, tu m'emmerdes là. Oh, ferme ta gueule, les vieux. Je suis pas le bon moment. Vas-y, Daniel, c'est bon. Non, je suis pas le bon moment par là. Il va falloir... Qu'est-ce qui se passe ici? Putain, faut sonner. Sonne. Les policiers vont devoir nous le dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Sonne. J'ai peur, hein. Qu'est-ce qui se passe? Reste derrière mon moi, Steven. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il se passe. Le vieux, ça veut dire quoi? Putain, vise pas, les vlots. Les vlots. Peut-être c'est pas grand-chose, c'est peut-être juste un... Les vlots. Un incendie. Putain, mais merde, mets-toi derrière PPR et puis Steven. Je prendrai les coups le premier. Ouais, ça marche, je veux pas. Ouais, je prendrai les coups le deuxième. Oh, Ross, regarde, ils viennent nous menacer jusqu'ici. Ils arrêtent pas de penser, hein. Aidez-nous, monsieur Ross, aidez-nous. On vous donnera Shanna en échange. Oh, pisse. Pourquoi cette alarme? Ouais, on a peur, hein. Allez, revlo. Vise-bas, gueule, ti! Par contre, on veut bien être voisins, mais l'alarme, moins forte, s'il vous plaît. J'ai pas mis, hein! C'est pas la fête! Ah, c'est pas eux! C'est pas la fête! Oh merde! D'accord? Mais j'ai pas mis, je te dis! J'ai quoi qui se passe, Ross? Dis-nous! Regardez le journal, s'il vous plaît! Attends. Roche, il faudrait que tu prennes un chaussiro, hein! Bonjour, messieurs, dames. Ouais, bonjour, hein. On a eu un problème. Oui, il est où, mon père? Ok, écoutez. Le truc, c'est qu'il faut pas paniquer. Ok, Tyler. D'accord. Tyler et madame avec le pantalon avec les flammes. Ouais. On m'entend ou pas? Ok. Oui. On a comme un conflit de voisinage. Ouais, comme non, tu dirais. Il y a une agression, Oui, il y a une agression. On est bien conscient. Et comment ça, agression? Il a tapé une vieille, hein, quand même, hein. Et qui? Ok. Je l'ai pas tapé, la vieille. Je suis un grand-père, il t'a la vieille, tapé. Déjà on va utiliser des mots un petit peu plus folie. On va... Qu'est-ce qui se pas passe, madame? C'est pas grave, on est en sécurité, on est dans le poste de police. Oh non. Il faut qu'on reste ici. Oui, on reste ici. Oh là 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 là. Oh, c'est quoi ça? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Doucement, criez pas, doucement. Il se passe quoi? Wouah. Wow!
my godness! Wow! Wow! What the fuck is that? Ah! Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Vas-y, reprends. C'est au niveau du phare. J'ai kické un peu de gueule là comme ça. Surtout. Y a des trucs qui tombent de partout. Oh putain, je crois que j'ai eu mal aux oreilles. Okay. Je crois que ça a pété un coup de nous. Oui, ça a pété, ça a pété. C'est pas grave. Et bien, monsieur dame. Écoutez, pas de panique, s'il vous plaît. Pas de panique. Pas de panique, par pitié. Il faut aller chercher des masques à gaz. Allez chercher des masques à gaz, monsieur dame. Mettez-vous tous au sol, tous au sol. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chemus, pas là, faut pas sonner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, on t'entend. Sonne si tu m'entends. Oui. Ok, nickel. C'est moi qui vous entends pas, bordel. Ah bah oui. J'ai des choses à dire. J'ai découvert quelque chose d'horrible. Ah. C'est-à-dire? Des masques à gaz. Allez me chercher une arme. Allez, nous chercher une arme. Restez tous à terre. Tous à terre. Ah, je vais te checker le tanisier. C'est quoi ça, tu checker le tanisier? Au sol. Au sol. Déploie ton identité. Au sol. Balance ton identité, vite. C'est Mason. C'est le collègue, Mason, ma copine. Il va. Allez. Oh, il se passe quoi? Tous les flics, allez pour votre service, protection des civils. C'est pas les flics, c'est pas les flics. Non, je sais pas de. C'est pas des flics, ok. Protection des civils, Alustozoa, Ray, fais-moi une symétrie, vite. C'est pas Ray, c'est Ross. Je dois y aller. C'est moi. Je dois me sacrifier. Allez la police, on a besoin de toi aussi, je suis pas encore. Soir, ça va avoir des bandes. Oui, il le faut que tu te sacrifies comme voilà. Ça calmera les tensions de Gaïa. Sacrifiez-vous. S'il vous plaît, il va falloir garder votre calme. Voilà Méric, jeune homme. Écoutez-moi. Il va falloir garder votre calme. Au cas où, je vais vous demander de vous diriger vers le sud afin d'aller chercher des masques à gaz au magasin de masques si possible. Mais j'ai pas de sous, mais... Glenn. J'ai pas de sous pour un côté de vous laisser sortir dans ces conditions. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous escorter parce que nous aussi on a des choses à sécuriser et on doit prévenir tous les citoyens. Putain, je sais pas vrai, mais nous on fait des citoyens. Et vous avez pas des masques à gaz ici à nous donner? Je crois qu'on en a plus en stock. Madame, non, on en a plus en stock. Oh putain. Okay. Les cartouches, elles sont périmées depuis 2015. Oh, je sais pas vrai. Oh merde. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous en ramène? Non, vous inquiétez pas, on va l'en acheter. Ok. On peut pas rester ici avec vous. Bon, écoutez les crocs, nous on va aller acheter des masques, ok? Let's go. Achetez des masques si vous pouvez. Faites-vous des bisous avec vos voisins. Tu prends soin de nous. Ah, c'est ramené. Ramenez les voisins. Je sais pas vrai. Vous voulez qu'on vous en ramène? Ah ouais, quand même. Ouais, c'est que si tu peux ramener pour la famille Monroe, ça serait bien. Ouais, c'est vrai parce que j'étais vieux. Il en faut combien, madame? On est combien? On est quoi? Combien de femmes? Combien d'hommes? Deux femmes, c'est pareil. Allez, go. Okay. Deux femmes, bougez pas d'ici, bougez pas d'ici. Demandez, pardon. Oh mon dieu, j'ai une catastrophe, qu'est-ce qui se passe ici? Maman, j'ai peur. Famille aussi, j'ai pas peur. Bon, elle est loin. Pépère, il est loin. Pépère, il a fait la guerre, Pépère. C'était il y a longtemps. Bonsoir. Ouais, je vois Besson. Il y a le capitaine avec nous. C'était Besson. Oh, je croyais que je t'ai dit. Je me suis trompé, pardon. Quoi, qu'est-ce que t'as? Oui, Pépère. Qu'est-ce que t'as, vieux? J'ai jamais fait la guerre, j'ai inventé ça de toutes pièces. Mais je sais pas, vrai, t'avais dit que tu avais fait la guerre. C'était pour impressionner ZZ quand on était jeune. Mais quel menteur, tout hyper fasciné avec ces histoires à la con de la guerre, t'as un secret mytho. Et pourquoi tu nous as tous menti, Pépère? C'est pas vrai. Je suis jamais allé au Vietnam, j'avais peur d'y aller. Et quand ils m'ont appelé, je me suis caché. Pas tous t'étais alors. T'es une personne fragile, Pépère. J'ai travaillé à la ferme pour nourrir ma famille. Putain, t'as une vieille serpillière, Pépère. Oh là là, je suis pas vrai. Le maire, il sert à rien, Pépère. C'est un gros mongol, de toute façon. Ouais, tu nous as menti. Pourquoi t'as menti, Pépère? Pourquoi tu nous as tous menti? Il a pas fait la guerre. Et votre père, il est pas là, le père. Il a pas fait la guerre.
Je savais pas que vous attachiez autant d'importance au fait que j'ai fait la guerre ou pas. C'était toi qui défendais la famille, Pépère. Bah ouais, c'est vrai, hein. Et ça s'est toujours bien passé. Oh putain, c'est pas vrai, on a pas de masque, hein. Il faut pas bouger d'ici, hein. Nous, on va demander la flague. C'est un groupe d'anarchie. On va demander la flague, la police. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il va falloir qu'on se défende, hein. Et du coup, comme Pépère, il a pas fait l'armée, c'est moi qui vais le tenir. Non, non, si tu veux, t'es pas là. Grand-mère, t'es chez tiré? Oui. Pépère, tu chez tiré? Bah, je suis chasseur quand même, hein. Bon, on va demander à la police si c'est possible d'avoir une arme pour se défendre. Attends, on va y demander. Putain, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Comme au Vietnam. Ah non, j'ai pas fait le Vietnam. T'as rien fait, Pépère, de ta vie, t'as un roller, tu sais rien faire. Steven, je te permets pas. C'est vrai, espèce de gros menteur, Eti. Tout dit, t'es raconté. Toujours été là, moi. T'as trop regardé de reportage, hein? J'sais oui. Ouais, chez Tim Besson. Oh, Besson? Parle plus fort ou parle tout court. Ouais. Le capitaine Masson. Ouais. Un truc. Oh, attends, il revient, il arrive. Il arrive, hein. On va faire un tout. Attends. On veut des armes. Ouais, on est bon, avoir des armes pour se défendre, nous. Les amis, vous pouvez pas avoir d'armes. Pourquoi? Vous inquiétez pas, il y a des agents qui vont vous protéger. Ouais. D'accord? On peut rester avec vous autres. Étant donné que t'as un Robert, tu vas rester protégé avec Ailey ici. D'accord, on va vous ramener le maximum de personnes et ensuite on fera un turnover, on prendra d'autres personnes qui viendront chercher. C'est pas vrai. Ah, Besson. Où est-ce qu'elle est, Ailey? Venez, on va pas rester devant la porte là, si vous êtes en danger devant les portes. Venez en bas. Ouais, venez, on va venir avec le police, hein. Ailey, comme je viens de dire à Besson, votre mission à vous c'est de protéger pour l'instant les civils. On va aller les chercher et on va les ramener. Une fois qu'on a cette personne, on fera un turnover, d'accord? Vous irez dehors, on ira mettre les trucs avec les civils. C'est compris ou pas? D'accord, c'est compris. C'est parfait. Avec mes respects, mon gars. Y'a pas de soucis. On va y aller, Ray. D'accord, on va commencer à aller chercher. Laissez entrer. Allez, descendez. On descend, hein? Attends, y'a Pépère et Bébert qui sont un peu perturbés. Allez-y, descendez. Allez, venez, on descend. Fatigué. Eh ben, elles sont fatiguées en bas, vous pourrez vous reposer. Il est où l'ascenseur? Allez, Pépère, ça va aller. Ça va aller, Bébert, je sais pas où il faut aller, Bi. C'est bon, Pépère. Ah bah ouais. Pas ici. Ah, pas ici. Oh, d'accord. Et ici. Vas-y. Allez, tout le monde rentre. Ah, mais je suis claustrophobe, hein. On va pas rester longtemps ici, quand même. Daniela, boucle-la et t'écoutes ce que disent les agents. Mais non, c'est pas possible, on va pas rester ici comme ça éternellement. Tu préfères mourir? Mais non, je préfère pas mourir, mais je préfère rond. Elle est où, Massuse? Ça fait rendez-vous avec le bancaire, putain, je devais avoir ça. Attendre. Vous voulez pas les assommer avant de partir? Ah, oh, mon petit bout de maroilles sucré. Je peux leak ou pas, Alan? Non, faut pas leak. Ah non. Faut pas leak, on leak pas, les gars. Steven, une surprise qui arrive cette semaine. En colère? T'es en colère contre ton papy? Mais je sais pas, Steven! Pourquoi tu t'en vas quand je te parle? Mais je sais pas, Steven! On a mis les civils en sécurité dans la salle. Allez, sous son après, il a l'air solo, ouais. Ça va, ah, t'es là! Je t'ai confondu avec la zigoto! Putain, je sais pas. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Non, tout va bien passer, on est là pour vous protéger. J'ai faim, j'ai soif, comment je fais, Bibi? Je devais aller faire les courses. Il faut pas nous mentir. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, madame. Je devais aller faire les courses. Je devais appeler grand-mère au supermarché. Désolé, mais mes mères. Et puis, je devais aller côté des vêtements. Ce soir, tu vas dormir sur le canapé. Ça va être compliqué. Ouais, j'avais rendez-vous à la banque. Là, ça va être compliqué. Vous avez faim, soif, quelque chose comme ça? Ouais, j'ai de l'oseille.
Non, pas de l'oseille, hein. À boire, à manger, puis je veux barrer. Un grand mexicain avec un chapeau et une cicatrice. Oh, et ta bah, gueule, tenez, un petit jus d'orange, une petite salade. Un cucaracha. Oh, merci. Un petit... Ah, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. À couvert, mettez-vous à couvert, mettez-vous à couvert. Oh, putain. Oh, purée. Non, père, mets-toi à couvert. Mets-toi à couvert, mes pères. Mettez-vous à couvert. Oh putain, vite, 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 viens, viens, cache-toi. Faut pas se mettre en... Oh putain. Mais tu faut se cacher. Et si on bloquait la porte? Ah ouais, si on bloque... Faut bloquer la porte. Mettez-vous à couvert, oui, oui, vous inquiétez pas. Mettez-vous là. Viens Pépère, c'est pas le moment d'aller faire l'armée. Allez, on bouge pas, en bas on reste en bas, d'accord, on reste tranquille, on est en train de faire le travail. Là. Oh putain. C'est les Mexicains, ils nous attaquent. Coucou Ben. On aurait pas dû construire ces murs. Non, moi je pense que c'est Circle. Mais qu'est-ce que je pose ici? Ouais, les gars, faites attention à ce que vous disent. Ce que vous disiez, pardon. Putain, mais j'ai peur. Oh putain. Comment ça y est? Ah, mais une porte. C'est le stagiaire qui nous défend. Chut. Faites plus de bruit. Allez, God bless, les gars. God bless. Je crois qu'on a pris le pire endroit pour se réfugier. Est-ce qu'il y a des unités qui surveillent l'arrière? Négatif, je pense pas. Ok, une... J'arrive. Ok, je vais avec Austin. J'ai volé. Oh, toi le mongol, c'est pas le moment. Vous êtes prêts, les brodeurs? Ah, puis. On est prêts, lieutenant. Okay, donnez-moi une arme que je me défends. Faites pas bruit. J'ai fait le Vietnam. Ah non, c'est vrai, j'ai pas... T'as pas fait le Vietnam, le vieux. Tu sais rien faire. Quoi, ta fusée? Okay, tu vois ta fusée? Oui, bah je préfère avoir une fusée d'une personne qui n'a jamais menti de la famille. C'est vraiment accro, moi. Ta mère, elle ment tout le temps. Faites une annonce de zone, s'il vous plaît, les. Putain, la TRU. Dites que, en gros, tous les civils sont invités à rejoindre le poste nord s'ils sont en insécurité dans le nord, ok? Qui tire? C'est derrière. C'est moi, t'es seul. C'est derrière. Alors, il faut que ça se reproduise. Annulé. Où es-tu, Ellie? On vise pas un grand-père. Je suis tout en bas avec les civils. On est gardé par une rookie, on doit pas valoir très cher. Ouais, c'est vrai ça. Surtout toi, Pépère. On ouvre le Ouais, si quelqu'un force les portes, t'attends mon call. Grand-père, t'as pété? Je fais l'annonce, Glenn, du coup? Non, c'est moi. Oh putain, Pépère, c'est pas le moment de péter, ah putain. Quand je suis stressé, je me lâche. Où est-ce qu'ils sont les civils? Bon, je crois que c'est le moment de sortir mon sniper, du coup. Je les ai sécurisés derrière le bureau. Tu les as mis où? Ils sont juste là, là, juste derrière le bureau, juste là. Ils sont cachés. Ok. On est cachés. Vous inquiétez pas, vous êtes entre les mains de la défense de police, d'accord? Ne vous inquiétez pas, on est là. Ne stressez pas, monsieur. D'accord. Vous inquiétez pas. Restez juste calme, faites pas de mouvements brusques. On va vous protéger, c'est l'Amérique, d'accord? L'Amérique libre qui va vous libérer. C'est compris les champions? Ouais, mais tu nous as mis un rookie hein, pour nous protéger, hein. Ne vous inquiétez pas. Décale-toi, il est. Pourquoi on n'est pas resté devant notre série à la maison? Mais putain, ouais, y'a vos amour, gloire et beauté, putain! Oh, les tirs se rapprochent! Oh putain! C'est ça! Oh, jamais ça! C'est il devait nous arriver quelque chose, c'est ça! Oui! Va dire que je t'aime! Allez, oh, mais n'oublie pas, mes mères, Pepper, c'est qu'un menteur! Oh, toi, tu m'emmerdes, hein! J'ai une JB. Comment tu t'appelles? Mason. Mais on t'aime quand même, Pepper. Steven. Steven! Quoi? J'ai un ami qui m'a appelé, il y a une fusée devant le poste. Vas-y. Ok. Non! Quoi? Non, y'a pas de fusée, grand-père il dit d'abord de l'FPE, non! De l'FPE, Steven! Y'a Thomas Pesquet qui vient d'atterrir devant le poste. Putain, t'es vraiment une saloperie! Putain, t'es vrai, t'es un saloperie, putain! Je reviens. Ok, chérie,
Bah, il m'emmerde depuis tout à l'heure, j'en peux plus, tu es là. Viens faire la ton gamin. C'est ma gamin, pourquoi t'as fait chaud? Stop. J'ai un citoyen qui parce que tu l'as pas éduqué. C'est bon, je l'ai aperçu. Vous redescendez. Il y a rien du tout pour moi. Y'a rien pour lui. Question de sécurité. Je vais aller chercher ma gamin. Entrez. Oh mais putain, viens, ma putain, j'ai tout oublié, putain, on cherche. Oh putain. Ça va et toi? Non, ça va pas, on est réfugiés au poste du Nord et il se fait attaquer. Ok, on va arriver, t'inquiète, j'arrive, John, d'accord? Y a des mitrailleuses et tout, ils se combattent avec les agents dans le poste. Oui, on est encerclés. Attends, tu m'as dit quoi? Il y a quoi dans, le poste du Nord? Ils se font attaquer. Parce que là, ici, on peut rien faire. Hein. Ok, bah vas-y. William, vas-y. Je t'aime, William. Fais attention à toi. John, ne viens pas. Arrête tes bêtises, j'arrive. Okay, ils ont pris les armes, ils attaquent le poste. On est cernés, ça tire de partout. Ils tirent là-bas. On arrive. On est enfermés dans une pièce avec les civils. On va trouver un moyen de sortir de là, ok? Salut William, ne viens pas. Sois heureux dans ta vie. John, tonton, je te laisserai pas mourir, c'est mort. J'arrive. Il parle à William, le médecin. Et fais-lui des gamins, sois heureux. Ce sera toi, moi, cochon, Joe, ce sera toi. John, non. Oh non, William. Oh putain, je te dis, attends, je vois plus Lily. J'arrive, on va te sauver. Adieu, William. Arrêtez. On va vous faire des tirs de couverture, on va essayer de venir vous chercher. J'ai qui garanté, gros dégueulasse. C'est parce que je suis stressé. Oui, allô? Ma petite Lily. Qu'est-ce qu'il y a, maman? On est enfermé dans le poste. Il y a des mitraillettes partout. Ouais, je sais, je suis enfermé à l'hôpital, moi. Je t'aime, ma Lily, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime, maman, je t'aime. Je suis très bien. On va bien préférer Peter que sa famille. Oh, je suis avec Pépère, bébé, et puis je t'y veux. Ah, mais Chino, arrive. T'es au poste là? On est au poste d'Orbi. Oh, ça tire. J'ai peur. Lily, je t'aime. Je t'aime aussi, ouais, maman. Grand-mère, j'ai volé. Peut-être pas parce que là, je suis en mauvaise position, hein. Ça fait peur. On va mourir ce soir. Je vous aimais les Monroe. Maman, je t'ai aimé même si tu m'as abandonné. Mes mères, merci pour tout ce que t'as fait pour la famille Monroe. Pépère, t'es qu'un bâtard parce que t'as tout menti. Oh, c'est vrai, je suis un gros mytho, hein, ton gros père. Hein. Oui, Pépère, t'es qu'un gros menteur, mais je t'aime. Merci pour les tirs de couverture, c'était pas fait. On va mourir. Non. Brillant. Et toi en premier, Pépère, c'est fini maintenant. Ouais, tu te lèves. Non, vous allez pas mourir, vous inquiétez pas. Il va notre mourir, père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne revienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous les offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. S'il vous plaît, mais délivre-nous messieurs, dames, excusez-moi de vous interrompre de cette prière. Amen. On va vous emmener au niveau du gouvernement, d'accord? Oh d'accord, mais j'ai vous allez sortir dans le calme, d'accord? Je ne veux pas de cours ou quoi que ce soit. Ouais, je vois. Je ne veux pas de panique. Ça va être très simple, vous allez m'écouter au doigt et à l'œil. Le premier qui fait une connerie, il va passer sa soirée dans les cellules. Est-ce que c'est compris? D'accord, monsieur là, on écoute les agents. Parfait, vous allez vous mettre en une ligne. Vous allez nous suivre jusqu'à monter dans le véhicule. Lorsqu'on vous le dira, est-ce que c'est compris? Ouais, je vois. Très bien. Ouais, je vois. Steven, lève-toi, on suit l'agent. Préparez-vous. On fait une ligne. Là, ça se passe ici. Ouais, on va les dégager, on va les ramener au gouvernement. Puis ça. J'ai peur. Okay, on fait une ligne. C'est ce qu'on s'est rendu du véhicule. Restez ici le temps que je demande où est-ce que sont les au niveau du véhicule. On attend ici, les vieux. On attend ici. Stop. Tout le monde au repos. Comme au Vietnam. Repos. On fait une colonne d'assaut là. Bah, T12 en dit de se mettre en randonnion.
Pour vous emmener où? Bah, je sais attaquer, pas. Pour attaquer, ouais. On les emmène au gouvernement. Ouais, ils ont dit donner des armes et on y va. Vous savez où servir d'une arme? Ouais. Non, bah t'inquiète, je vais se battre, Abia. Hey. Ouais. Tu veux vire? Négatif, on est toujours en bas. Ça tombe sur un malentendu sympa. Venez, venez. Allez, tout le monde nous suit. Vas-y, allez-y, suivez mes collègues, allez-y. Oh, j'ai peur, ami, je me suis fait dans mon franc, hein, je vous mens pas. Va pas trop vite, ça, il y a des vieux dans le temps. Ouais, c'est que le tireur, il vise là, capitaine. On va attendre tes. Attendez, je suis en train de détecter avec mon drone s'il y a encore des tireurs. C'était très gentil. Allez, allez, on avance, les vieux. Ouais, couvre-moi, je mets un drone d'alerte. Ok, c'est bon, il y a tout le monde. Ouais, Ronaldo, Ronarais, vous me couvrez, ok? Ok. Super, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je fais passer un drone de Symmetra pour pouvoir le Mason, localiser, tu vas partir. Elle est où il est? Je suis là. Juste derrière. Ok, Mason, et, là. Mason, déjà, il est. Tu vas me retirer ton gilet jaune, tu vas mettre un gilet pare-balles tout de suite, oui, s'il te plaît. Mason et il est. Vous allez prendre une voiture tous les deux. Vous prenez deux citoyens avec vous, vous allez directement au niveau du gouvernement, vous les mettez en sécurité, c'est compris? C'est compris. D'accord. Donc, les deux, déjà, la personne âgée, madame, excusez-moi, on va vous emmener en premier. Monsieur derrière, on va vous emmener également. Vous prenez les deux, vous prenez vos voitures, vous vous barrez, vous les emmenez directement au gouvernement, c'est compris? Très bien. Allez, maintenant, go, amenez-les. Allez, on y va, mais j'ai peur. Bradley. Sont sur le côté gauche, d'accord, c'est là. Bradley, viens ici. Il va falloir qu'on sorte et qu'on les smoke. Attends, Ray, viens là. Viens là, toi aussi. Vous allez faire exactement... Attendez, y'a que les deux personnes âgées qui les suivent, venez avec nous. Ouais, Daniela. Ouais, bisous le vieux, je t'ai beau quand même, hein. Je t'ai beau quand même, hein. Revenez avec les agents, comme ça vous perdez pas de vue. Prenez soin de Pépère et Bémère. Mais s'il vous plaît, là actuellement on est attaqué, d'accord? Donc restez bien en position, comme ça je vous explique. Ray et Bradley, vous prenez tous les deux une voiture également. Vous allez prendre deux personnes avec vous, donc la dame ainsi que T-shirt orange là. Vous les prenez, vous les emmenez directement au gouvernement, d'accord? Insurgent autorisé ou pas, capitaine? Non, ça sert à rien, vous allez pas assez vite et vous allez vous faire allumer. Donc prenez une voiture, allez-y vite et Venez. Viens pas, gamin, viens, on y va, hein. Si vous voulez, nous on est venus avec le véhicule, on peut prendre les derniers cibles. Allez, on y va. Bon courage, messieurs. Allez, grimpez vite. Vite, Steven. Ah, Steven, par là, c'est là, Steven. Vite, Steven. Oh, il y a des pluies de météorites. Ouais, je t'ai vu, c'est comme dans les... Le 19, le gouvernement. Oh putain, j'ai peur, mais c'est policier. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. C'est la position du gouffre, ça? Ouais. Putain, c'est pas vrai, je devais faire un bras à la main. Vu que c'est sombre, ils vont avoir du mal à nous voir. Et Duro, je peux avoir un prénom comme ça, je dirais à la bancaire, j'ai pas pu venir, j'ai l'agent qui m'a dit de pas y aller. Ouais, j'en Bradley, Bradley. Ouais, Bradley. Ouais, je dirais à la bancaire, hein, c'est trop important, j'avais rendez-vous, hein. Putain, j'ai peur. On voit rien du tout. Vous écoutez pas, moi aussi, là, j'y vais au radar. Putain. Fais gaffe à les excès de vitesse, là. Hé, Bradley, fais attention, Bradley, ami, j'ai peur, hein. Vous inquiétez pas, madame, vous inquiétez pas. Je pense qu'on devrait rentrer à la maison, regarder les feux de l'amour, maman. Bah ouais. Je vais pas vous mentir, c'est pas une très bonne idée. Restez au gouvernement, ils ont un bunker, vous inquiétez pas, vous serez en sécurité. Ah, mais Michel, t'es en train de regarder Amour, Gloire et Beauté, hein. Ah bah ouais, mais le programme, là, je pense qu'il est interrompu à cause de la bombe atomique. Bah ouais, bah voilà, et puis je sais même pas si Stéphie, elle a couché avec Bradley. Ah bah tiens. Bah ouais, non, bah... j'ai pas couché avec, hein. Bah, il s'appelle Bradley, putain, c'est dit en fait. Parce que Stéphie, elle est enceinte. Mais elle l'a trompé voilà. Avec Brandon. Si, je te le dis. Brandon, mon cousin. Ouais, ça. Et puis alors, ça s'est coupé. Brandon Jackson. Le collègue. Les admissions. Mais c'est vraiment des débiles. Si je meurs, tu veux dire à ma fille Lily que je l'avoue aimer quand même si c'est une prostitute, hein. Oui, hein, que Lily, maman, hein. Mais tu peux les rattraper, par contre. J'espère que Nolan, il va bien à la maison. Ah oui, c'est vrai, il y a ta tante qui est couchée avec Nolan. Avec Nolan, oui.
Ou le ciel est beau. C'est trop nul la Felon. Non, non, elle est bien. Juste là, elle arrive quelques coups. Sinon, je te jure que c'est. Vise-bas. Quoi? Oh, il y a une grosse sonnerie. On prendrait au Mordor. Ok, on sort. Aïe! Là, tu déconnes. Aïe! Vous rentrez immédiatement. Je vais au radar. Allez, on y va! Merci, monsieur de la police. Pardon! Bonsoir, suivez-moi, s'il vous plaît. Bonsoir, on vous suit. Ok, vous inquiétez pas. J'ai juste procédé à une palpation, messieurs, dames. Oui, par sécurité. Mon travail, c'est pas forcément protéger les serrures. Allez-y, j'écarte les bras, madame. Ok, parfait, c'est bon pour vous, madame et monsieur. Allez-y, madame. Allez, je vous en prie. Bonsoir, madame. Venez, je vous en prie. Madame Bonoro, c'est ça? Ouais, oh, je suis le cowboy. Vous inquiétez pas, venez. Ouais. Je suis monsieur Flores. Oh, je suis un peu ma cowboy. À gauche, du coup, tu vas à l'heure, c'est des portes, tu rentres dedans, puis tu vas à gauche ou à droite. Tu t'ouvres, il y a ça. Quand tu joues un rôle. Allez-y, oh, juste en face, j'en prie, allez-y. Merci beaucoup. Je suis pas à mon emplacement, apparemment. Je suis en sécurité. Mais il est dans le déni, lui aussi, c'est incroyable. Son pépère et mère. Son pépère et pépère. Il a toujours été face à ce jeu. Loup Pépère. J'ai promis à Loup Pépère. Ah bah oui, là c'est pas vrai. Il y a des explosions. J'ai pas vrai, un peu le Pépère et Bébé. Je vous garantis que je peux gérer la situation. Ah, Vizbar, on va aller chercher d'où même Loup Pépère et Bébé. Je veux pas que je meure. Ouais, vas-y, ça marche, bisous, Morane. Nous aussi, on vous voit pas, c'est tout. Tout. Merci, Arine. Ok, on vous attend avec maman. Ils arrivent, ils sont là, maman. Oh, Pépère et Bébert, ils sont là. Pardon. Essayez-vous. Mais non, vous allez pas mourir. Regardez, on est en sécurité, là. Oh, mais Bébert, j'ai peur. Oui, moi aussi, ma petite Daniela. Ça va, Steven? Cherchez votre fils et vous serez tous les deux en sécurité, d'accord? Venez, vous autres. Avant de mourir, madame Campbell. Qu'est-ce que je souhaite faire? On dirait le Titanic. On va couler. Putain. Touché en bas, je dis mes votre attention, s'il vous plaît! J'aimerais vous conseiller à tout le monde. Si on vient à mourir, eh ben, disons que vu que j'étais une sacrée aventurée, merci à Pépère, Bébert et Steven d'avoir fait partie de ma vie. Je vous aime les vieux, et je t'aime pas Gogo le fils. On se juste un moment. Bisous, hein. Merci pour cette vie de fou, hein. Nous avons été tous gentils avec nous autres. Bisous. Merci, maman. Tu m'as fait pleurer, Daniela. Oh oui. Oh bordel, je pensais pas que tu pouvais être aussi émouvante. Ouais, c'est vrai. Derrière ta vieille gueule, il y a quand même un cœur qui bat. Ouais, je suis un sacré cœur, hein. Rassemblez-vous, les Monroe, on va faire un câlin collectif. Ouais. Bonjour, messieurs, dames, est-ce que vous avez des masques à gaz? Non. Ah non, on en a pas. Il y a ceux pour les femmes, il y a ceux pour les hommes qui arrivent, d'accord? Merci beaucoup. T'as vu, je t'ai dit que t'allais pas mourir. Voilà, madame. Merci beaucoup. C'est toi, William. Est-ce que je suis content de te voir? Tu vois, j'ai dit que les agents de sécurité arrivent pour les hommes, ok? On a eu chaud, on s'est fait attaquer au poste nord. Ouais, c'est le capitaine, il m'a dit dégradé. On nous a transféré d'urgence. Mon dieu, on a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. J'ai. On est autant mourir dans la joie et la bonne humeur, je sais pas. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Daniela? Je sais pas, ça m'a scalpé la moitié.
La traite, c'est... Il dort. Bon, j'ai mon masque à gaz, moi. Moi, t'es sûr avec ton crâne rasé. Ouais, c'est assez particulier. Oui, oui. J'ai mal au ventre. Myoshylvie. Non, déjà hier, mes mères, elle, il fallait que tu l'as changé la couche, pépère, à mes mères hier, je l'ai fait rire. Bonsoir, elle m'a dit qu'elle a fait poupée dans sa couche. Oui, elle a fait poupée dans sa couche hier. Les garçons, allez voir là-bas pour les masques. Je répète à tous les hommes qui n'ont pas de masque, allez voir là-bas. Allez, John, on récupère les masques. Putain. Merci, fils. J'ai hâte de problème copinaire. Ah, c'est parce que t'as mis un masque, une casquette. Ouais, j'ai comme un problème. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave, chez l'homme. Allez, t'as casquette. Non. Allez, t'as casquette. Non. Allez, t'as casquette. Allez, t'as casquette. Attends, je vais l'enlever. Comment t'es grave belle comme ça, t'es encore plus belle qu'avant. Comme il dit Rodola, le Psartec l'a dégradé. Hein. Allez-y. Je suis pas vrai. Un muscat comme disent les jeunes. Moi ouais, si c'est vrai. Bah la valeur de votre là, vie ouais. Peut-être. Oh là je suis pas mieux hein, comme je... fous-moi. Faut dire que j'ai un sombre passé hein. Allez-y monsieur. Oui hein. T'as ramassé à la petite cuillère, Daniela, la petite cuillère. Oui, c'est vrai. Votez Florence. Hello, Anna Jeff. Ah, bah, et un monde qui. Bienvenue, les gars, merci pour vos followers. Même tu sais que c'est bordel. Oh, mais. Ouais, on va tous mourir, on aurait une belle. Ouais, c'est ce que tu sois. J'ai kiffé ma vie, franchement. Franchement, moi, les deux dernières semaines, j'ai kiffé ma vie depuis que je t'ai rencontré. Ouais, moi aussi, William. Franchement, on a claqué beaucoup. Fais-moi un dernier câlin, fais-moi un dernier câlin. Allez, dernier câlin. Bon, bah, le vieux, y'a plus un poil sur le caillou. Ah, c'est bon, toi, ta gueule, hein, m'emmerde pas. Hein. Moi, je suis sécurisé, là, mon regarde. Ah, Diro, c'est quoi cette couple, là? Ah, Diro, une cool, une grosse cool. Hey, y'a plus de bulles avec nous. Il est où, John? Ouais, moi, je suis super sécurisé, mon moment. Où ça? T'as plus de musique. Si, il est derrière toi. Ouais, je vous emmerde. Mais non, c'est pas John, Johnny, il a pas le cachot. Attends. C'est les lanières, elles vont scalper. Hey, John, si je frotte ton crâne, est-ce qu'il y a un génie qui sort de ton nez? Ouais, je vais te lâcher une caisse, tu vas voir le génie. Oh putain, non, c'est bon. Avec ce que j'ai bouffé ce midi, William, peut-être que tu vas tomber dans les vapes. Moi j'ai quoi au midi, des flageolets. Je dis ça, je dis rien. Mais il faut trop voir. Non, mais dis rien. Il va faire le gueule. Dis rien, ferme ta gueule. La grosse couille. Non, mais eh bien, Gino, ils vont tous ici, ils vont tous nous mitrailler. On fait quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne analyse. C'est une bonne analyse. Ça arrive, hein, on est en Amérique, hein, c'est courant. Bah, faut se cacher. C'est pas grave, ça fait une économie pour l'Amérique. On m'a dit qu'il y avait des lieux d'attaque et des missiles en plus. Mieux là-bas, je suis pour américain. Putain. C'est quoi à la base, Chi, c'est ça? Mais je viens de la France! Tu te fous de moi? Mais tout le monde! Dis-toi que Kelly, c'est peut-être. Ah, je t'y biloute, ah, je t'y biloute! On va faire notre gueule, hein! Ah, je t'y biloute, hein! Je pense au pommeau, arrête, Chi! Marouane dans le café! Écoute-moi bien, ça te plaît rien les préjugés? Travis Scott, là! Ah, merci, c'est un peu plus marrant! Oh, merci! Non mais je veux pas de chi. Tcha. Allez, refais-moi calme, moi je te mets ton masque dans le cul. Mais c'est chi, hein, qui veut dire, hein. Tu vois qui c'est? Attends deux secondes, j'ai géré quelqu'un. Je croyais qu'il était mort, lui. Ouais. Tu es l'agent du SSP? Ah oui, d'accord, ok. Il abuse de son flash, lui, là-bas. Hein. Oh, j'ai peur quand même. Hein. Moi aussi, j'ai très peur. Chavolez la vieille, chavolez. Oh là 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 là. Qui sont ces fous qui nous veulent du mal?
Ouais, t'es trop folle. J'ai jamais vu autant de femmes de ma vie. Je t'aime me faire soigner, maman. Vous cachez des choses aux citoyens de ce pays. Eh, grand-mère, t'aimes pas le policier, là, avec le crête, puis j'aime pas. Ouais, chaud, il est bio, hein. Et ton mari, idiote. T'es déjà en train de me tromper, toi? Quoi? Je suis déjà marié, puis, hein. Tu m'as proposé un date contre 5 000 $ la dernière fois? Ouais, bébé, bah, j'attends toujours les 5 000 $. Bah, je les ai, mais bon, apparemment, tu kiffes sur un autre mec, donc je te les donne pas. Bah, donne-le, hein. On est à 5 000, hein. Ouais, tu peux me donner 5 000, hein, on va mourir, hein, tu vas pas mourir avec, hein. Si, je préfère mourir avec plutôt que te le donner et que t'aies kiffé sur un autre mec au paradis. Bah, je sais pas, parce que je contemple le menu que j'ai pas le droit de regarder, hein. Ouais, mais moi, je suis un menu que t'as laissé pourrir sur le côté, tu m'as jamais contemplé. Ouais, mais tu t'as un menu de cantine, vieux. Alors ça, par contre... Mais ferme ta gueule, French, va. Qu'est-ce que tu dis? Menu enfant, carrément, t'es un menu enfant, t'es un happy. T'es pas un happy meal, t'es un hungry meal, carrément, t'es dégueulasse. Oh, mais je suis un happy meal, il avait plein de nuggets. Ça te ressemble pas de parler comme ça, long. Bah, elle était méchante, elle a dit que je suis en menu de cantine. C'est normal, elle est méchante de nature. Bah oui, ça se voit. Y'a là, quand je pense que mon fils a épousé ce déchet. Excusez-moi, monsieur. Tu l'as pas volé, celle-là. Vous êtes attiré par un bébé, je comprends, madame. De toute manière, il me donne pas les 5 000. Bonsoir. Bon, ça va partir. Si vous êtes quoi? Ça va, madame l'UMS, vous êtes comment? Toi, il faut te réveiller, hein. Mais attends, c'est quoi ce tournoi? La dépression zone. Je suis rentré chez moi pour tourner un mini-film. Il s'est passé quoi ici? Il faut changer d'épisode, hein. Dites-nous qui sont nos ennemis, capitaine. Bah, en fait, il y a. Il y a Eden qui se présente aux élections. Et. Ah, je sais pas. Il y avait quelque chose, j'arrivais pas à la voir. Je me suis dit, ce serait la bonne occasion. Il y a des gamins qui n'est pas. Référent entreprise. Oui, mais au moins, on meurt ensemble. J'espère que vraiment il va rester à l'hôpital parce que je passe au courant, mais il y a des groupes de l'armée qui se baladent depuis tout à l'heure. Bon, arrêtez de chialer, hein, c'est bon. Apparemment, tu passes manager. Ouais. Je vais l'appeler. Je sais pas quand tu finis l'event. En vrai, allez voir dans les autres POV, les gars, si vous voulez avoir plus d'action. Bah, ouais, clairement, ils pensent que c'est là-bas. Ça va être un peu non, rien. RP confiné. Tu m'emmerdes. Je vais l'appeler. Mais ça serait pas le bon bar trop bon bar. T'arrêteras de mentir à la famille, PPR. Oh, tu vas pas me la sortir toutes les 5 minutes, celle-là, ouais. Il était qu'un gros mythomane. Ah ouais, bah tu vas voir ta fusée, ouais. Je te la mettre où je pense, ta fusée de merde. C'est acteur, bah. Ah ouais, bah je suis pas prêté là, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, vous êtes qui, bon? Moi? Dexter. Asseyez-vous, jeune homme. Faites attention de ne pas dire des choses à côté de mon grand-père, c'est un gros mythomane. Ouais, je te permets pas. Vous inquiétez pas, de toute manière, on va tous crever. Oui, voilà, ça c'est bien dit. Voilà un jeune perspicace. Voilà, et donc, c'est pas grave, on peut se dire tout et n'importe quoi. J'ai trompé ma femme. C'est pas vrai. Un, deux. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça m'étonne pas vu comment... Écoutez-moi, il t'a trompé, il a dit une vaste mascarade. Je suis sûr qu'on risque de rien en sortant d'ici, en fait. Mais non. Qu'est-ce qu'il raconte, John? Là, Daniela, elle l'a entendu, celle-là. Ça fait 10 minutes que je l'appelle, et là, elle entend. Espèce de commère. Ouais, Chami, j'aime pas les bonnes nouvelles... Les... T'as compris, quoi? Rago, t'es une femme à Rago. Ça va être gueule, c'est-tu, le Rago? Alors comme ça, t'as trompé mes mères, va d'ici, hein. Non, je vais pas tromper, je peux aller avec mon ami. On se racontait des blagues. À tout le monde, hein. Dexter. Attendez. Et toi, Dexter, t'as pas une petite blague sur ta vie? Vous m'entendez tous, là? Ouais, on vous entend. Ok, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'arrêter de paniquer. Tout est en train d'être réglé, s'il vous plaît. Je vous demandais d'être dans... calme. D'être dans votre coin, s'il vous plaît, de pas ébruiter, de pas commencer à dire qu'il y a je ne sais quel complot ou je ne sais quoi.
Vous allez tous rester à votre place. Tout va être réglé. Juste patientez, s'il vous plaît. Comme par hasard. Allô. Et on sait même pas ce qu'on... Ne paniquez pas, nous, avec ZZ, ça fait longtemps qu'on a paniqué, y'a pas de risque. Bien envoyé, ça, le vieux. Pourtant, regarde, elle a quand même un beau pétard, encore. Ah, je ne donnerai pas mon avis. En tout cas, vous savez, nos ennemis, les anarchistes, là, ils sont sûrement mexicains, ils ont des armes lourdes, hein. Des mecs. J'ai entendu l'information du capitaine, et à ce qui paraît, ils sont super agressifs. J'ai fait le Vietnam, j'ai pas peur. Ah, mais les Mexicains, ils ont de la sauce très très piquante, hein. De toute façon, notre famille est en guerre contre les Galapagos, on va leur voter le cul. Vous êtes en guerre ? Ouais, en guerre. Nous 5, 6, on fait la guerre. On nous a kidnappé notre gamin. J'espère que Steven, c'est pas le pilote de l'équipe, hein. Non, Steven, il est là. Il est là. Oh, mais je débarrasse, je peux pas rester comme ça, hein. On va pas rester comme ça, on tente, hein. Le maire va parler. Daniela, panique pas, on a dit. Ah, le maire va parler. Mais descendez, tout ce qui est civil, descendez de l'estrade, s'il vous plaît. Les civils, descendez de l'estrade. Installez-vous sur le cadavre, descendez sur ça. Oui, dites-nous, monsieur le maire. Et ne mentez pas cette fois. La guerre pour ce pays. S'il vous plaît, calmez-vous. Descendez, s'il vous plaît. Non, c'est Vietnam, moi, je suis pas un civil, je suis un vétéran. C'est un gros menteur, il a rien ouais, fait. Ouais, c'est un gros menteur, il y a rien à faire. Allez, ta gueule, je touche sa pension de guerre, putain, merde. S'il vous plaît. ZZ, tu te poses. S'il vous plaît, vous criez tous, vous donnez-moi la tête, s'il vous plaît. Fermez tous vos grosses gueules. Voilà, merci. Voilà. S'il vous plaît, derrière. Merci, Chimus, c'est bien. Du coup, bonsoir à tous. Je sais le stress que vous avez, d'accord, je l'entends, je peux le comprendre. Je vais vous donner les premières informations que nous avons, d'accord. Donc, je vais vous donner ce que nous savons, tout simplement. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de chercher plus pour le moment. En début de soirée, donc, il y a un groupuscule qui a attaqué plusieurs zones dans la ville, que ce soit notre DOJ, d'accord, avec notre procureur, plusieurs endroits dans le nord. Il y a une explosion qui a eu lieu dans le nord de l'État, d'accord. Pour le moment, nous n'en savons pas plus. On a le SSP Nord et Sud qui sont sur tous les fronts, ils sont partout. De notre côté, nous essayons justement de ramener le maximum de personnes à la mairie. Comme vous pouvez le voir, il y a sécurité, il y a nourriture, il y a médecins. C'est l'endroit le plus sûr actuellement que vous pouvez avoir. Donc si vous avez des contacts, n'hésitez pas à les ramener ici. Ils seront accueillis, tout le monde. C'est très important. C'est un état de crise, messieurs, dames. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, si on doit rester ici des heures ou même des jours, de rester calme, de s'écouter et de ne pas s'énerver pour rien. Ça ne sert strictement à rien. Donc, je vous demande à tous de vous asseoir tranquillement. Gardez ce compas de masque. D'accord, demandez-en, on va vous en fournir. Et il y a l'entendant, asseyez-vous, parlez, calmez-vous. Mais je veux personne qui fout la merde. Je vous le dis directement. Pensez à tout le monde. Je vous écoute, monsieur. Pour les citoyens de Los Santos qui sont sur les îles Galapagos, on peut faire comment ? Pour le moment, j'ai eu les îles Galapagos. Ils ont subi également une attaque assez violente, d'accord ? Ils ont repoussé tous les assaillants. S'il s'avère qu'il y a des habitants américains sur les îles Galapagos, ils seront rapatriés ici, d'accord ? Ok, très bien. Ok ? Donc moi, ce que je demande, c'est contacter tous vos contacts qui viennent ici. C'est très, très important. Il faut personne dans les rues, il faut personne qui se prenne pour des super-héros. Vous venez nous voir ici et on va vous protéger. C'est bon pour tout le monde ? Moi j'ai une question. Je vous écoute, madame. Est-ce que vous avez songé à ouvrir les bunkers ou pas ? Vu qu'en surface ça a l'air un peu compliqué. Pour le moment, le seul bunker ce qui était disponible était dans le nord, lieu où il y a eu l'explosion. Donc c'est une mauvaise idée, actuellement. D'accord ? Ok. On ne sait pas encore les dégâts précis qu'il y a eu avec l'explosion. Donc on essaye d'en savoir plus avec notre SSP Nord, dont le capitaine qui est à ma droite, et le lieutenant Chebus. Je vais m'exprimer après si ça vous dérange pas, monsieur le maire. Donc voilà, donc bonjour, si vous avez des questions, on va vous y répondre. Et maintenant, je vais vous pouvez monter sur l'estrade également si vous souhaitez. Hein. Ouais. Non, non, c'est bon, j'aime pas trop m'attirer la lumière. Vous êtes très beau, lieutenant. Ouais, j'ai une question, moi. Ah, moi aussi. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Glenn. Oui. Le Digiscan, il déconne, là. Il se passe quoi ? Chiquiblic, apparemment. Bon, écoutez-moi bien.
Je me présente, Capitaine Powell du Poste Nord. Actuellement, comme vous le savez et comme vous l'avez sûrement vu aux dernières informations, la bombe est apparue dans le Nord. On va demander à tous les citoyens, quels qu'ils soient, de ne jamais approcher le Nord jusqu'à ce qu'on vous le demande. Si vous avez des amis à vous qui sont dans le Nord, demandez de faire signe au SSP Nord de venir les chercher et de les rapatrier ici, s'il vous plaît. C'est une urgence totale. De toutes les informations qu'on a pour l'instant, ça serait une bombe chimique. Donc ça veut dire que le port du masque est obligatoire pour tout le monde et surtout dans le Nord. Comme par hasard. Je tiens à ce que tout le monde soit au courant de ce message, donc n'hésitez pas à le transmettre, s'il vous plaît. Il y a des citoyens sans masque, hein, monsieur le capitaine. Oui. Est-ce que vous avez des questions pour poser? Oui, moi j'ai une question. Donc c'est radiologique ou chimique, l'histoire, là? De ce qu'on sait, ça serait chimique, radioactif et tout ce bordel. D'accord? On n'a aucune information supplémentaire pour l'instant, nos médecins et tout. S'il vous plaît, tous les civils, au niveau de la scène, oui, vous mettre en sécurité. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Bien sûr, à vous demander d'avancer, s'il vous plaît, au niveau de la scène, pour les personnes qui sont vous au fond. Vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il y aura à manger, je suis désolé, je ne suis pas content. Bon, mais c'est qui ces putains d'ennemis? J'ai une autre question. Est-ce qu'on doit garder les masques pour dormir? Parce que c'est super. Exactement, mettez-vous tous au sol, s'il vous plaît, apparemment, il va y avoir un tremblement. Que. S'il vous plaît! Oh, bon sang. Oh mon dieu! Robert! Qu'est-ce qui se passe? C'est la merde. Mesdames et messieurs, pour votre sécurité, s'il vous plaît, tout le monde à terre! Je vous laisse appeler les chers civils! Bon, je voulais pas en arriver là, mais non, c'est pas les gars là, gosses, les. Y a une bombe à système Chikiblik qui a été implantée dans la mairie! Non, le système Chikiblik! Oh, je le savais! Pas le système Chikiblik! Je vous explique! Ça veut dire qu'il faut éviter tout mouvement brusque comme courir, marcher vite, oui, ou trop s'appuyer au sol. Trop s'appuyer au sol, ça veut dire qu'on doit se mettre debout? Oui, on doit se mettre debout! Je suis constamment appuyé fort au sol! Levez-vous, donc, on va tous exploser! Ce qu'on va faire, c'est que monsieur le maire va trouver une solution pour qu'on puisse évacuer sur le jardin! Par pitié, tout le monde, gardez votre calme! C'est du rage là! Là, là, là! C'est. Il y a des. En termes d'état d'urgence? Il y a urgent, il y a super urgent, il y a un état d'urgence rage. C'est inadmissible comme état d'urgence. Ali, Glenn Forestine. Ali, viens, il faut que tu prennes. Je suis désolé, je suis à la mairie, je m'occupe des citoyens. Ah, c'est à cause de la télé cassée, putain. C'est pas vrai. Tu le mets à l'extérieur ou pas? Oui, ça va, là, ça peut le faire. Vos agents, ils peuvent essayer de les évacuer. La bombe est où, Chibus? Vous en savez plus ou pas? Juste devant la porte. Il faut que. Il faut faire une queue leu-leu et vraiment la contourner, quoi. Avec tous les civils. Ali, toi, entendu, ok. Glenn, rappelle-toi, t'avais déjà perdu un œil la dernière fois. Madame. Ok, à tous, s'il vous plaît. On va vous demander de vous lever tout doucement. Tout doucement, ok. Vous allez faire une seule file indienne, s'il vous plaît. Une seule file indienne, c'est très important, s'il vous plaît. Viens partir d'ici. Allez, tout le monde, file indienne. Ouais, je découvre qu'il y a des fréquents. Allez, s'il vous plaît. Vous, on multiplie ça par deux. Allez-y en première, madame. On peut passer devant avec ma femme. Ouais, les vieux d'abord. Les vieux d'abord. Allez-y, passez. Ça pose pas de problème. Passez d'abord. Allez-y. Si, ah. Qu'on est dans le derrière là, non? Ah, je crois que c'est le derrière. Lui, s'il y a des hommes armés qui arrivent devant la mairie. C'est le derrière. Oh, derrière. Bah, c'est pas grave, s'il y a des hommes armés, on est les derniers. S'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Sécurité. Oh putain. La sécurité, vous sortez tous, vous allez les aider, s'il vous plaît. C'est sur côté. Oh, ça tire. Tous au sol, s'il vous plaît. Tous au sol, il y a des hommes armés qui arrivent. Tous au sol, s'il vous plaît. Pour femme, s'il vous plaît. Attends, plus bas. Mais je vais me cocher là. Mais je vais me cocher là. 22 masques pour femmes, j'en ai. J'en ai. Mettez-vous ça. Des masques pour femmes. Des masques pour... Notre patiente a des masques pour femmes. J'en ai plein. J'en ai 5. Oui, je me casse. J'ai pas de stratégie, moi. C'est qui a lancé son stratégie? Sur le lit, en haut. Voilà. Regardez ça. Je t'en prends deux, il y a deux femmes qui m'ont dit. Eh oui, ouais. La sécurité de l'entrée de la mairie, d'accord? Pas de panique. Oh, Babylone! 10e mois de. Ah, bah non! GG! Non,
Je vais pas oublier. Bah, ça va et toi? Merci beaucoup, mais garde tes sous. Il faut qu'ils aient ça y est, on leur a donné. On leur a donné. Non, pas galère. C'est moi, il aime donc les méchants. Bah, moi, je trouve que l'event il est cool. Mais c'est pour ça que je voulais pas qu'il sorte. Pourquoi on m'écoute pas quand je dis quelque chose? Gabo, je suis bien caché. S'il tire dans le tas, t'as vu? C'est moi la dernière. Il y en avait un autre. Si jamais il y a quelqu'un qui a besoin, dites-moi. Ça marche, je saurais que c'est mon cercle. Il m'en reste trois normalement. Ça marche, je vous remercie. Détendez-vous. Détendez-vous. Ils vont tous exploser la gueule là si ça bête. Si hein. On va tous exploser. Non, personne va exploser. Putain, on va crever. On va tous c'est parti, on refait de la crever, on fait la file indienne. À tous, s'il vous plaît. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire une file indienne correcte, s'il vous plaît. Messieurs, dames, venez, on va refaire une file indienne, on va vous aider. T'es là, maman. Ouais, je suis là, je suis caché. Ok. Oh. C'est rien, c'est rien. Donc vous allez me suivre. Ça tremble. Madame Davis, on va exploser. Suivez, contournez la bombe s'il vous plaît. Allez-y. Contournez-moi. Allez-y. Le sol il tremble. Allez. Ouais, ça tremble là. Il y a un endroit pour les checker d'analyser s'il vous plaît. Monsieur, n'hésitez pas. Je suis nous, il y a trop de collisions. Il y a trop de collisions. Ouais, je les ramène. Oh là là là. Il y a trop de collisions. Oh mon s'il Dieu, vous plaît, Glenn. passez à gauche, s'il vous plaît. Mais ne soyez pas mongol, bordel. S'il vous plaît. On tombe à système 4 tiers, donc à un moment donné, soyez... Bonjour, madame. Ouais, bonjour. Allez, passez à gauche, s'il vous plaît. C'est du 4 tiers, alors, Glenn. On va essayer de diviser, on va faire plusieurs groupes. On va faire des groupes, ils peuvent ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, dehors, l'administration n'est pas sécurisée. Allez-y, pareil, vous aussi. Moi, je reste avec mes vieux. Ah, du qui sont mes vieux. Ah, vous êtes loin. Ce groupe-là, je m'inquiète pas. On se lâche pas. Ah. Venez là, tous ceux ici, venez avec moi. Ouais. Il manque encore des gens qui sont restés dans la salle. Hein. Oui, ils vont être récupérés, vous inquiétez pas. Attends, mais je reste avec mes vieux. C'est à cause de la bombe, en fait. Je saurais pas trop dire. C'est pas trop mon boy. Voilà une belle culule s'il vous plaît. Très bizarre. Dangereux. Ah tout ce qui sont mes vieux. Pardon. J'ai perdu mes vieux. Allô. Mes vieux. Plein de fer, capitaine. Allez. Ah tout ce qui est le vieux. Pépère. Hello Pépère. Où est-ce qui est Pépère? Hello Pépère, mes mères. Pépère, viens ici. Hello Pépère, viens Pépère, viens, donne-nous le bras. On va où? Viens, Volo! Viens, Pépère! Non, je te jure, ouais, on va là. Ça va, John? Pour l'instant, j'ai un peu explosé. Ça va, et toi? C'est Eden, non? Allez, passez, s'il vous plaît. Allez. Ça va, toi, Eden? Installez-vous, mesdames et messieurs, installez-vous. Pour pas que tu gagnes la campagne. C'est compliqué. Au fond, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Allez, moi, je reste avec mes vieux, ici. Venez, les vieux! Installez-vous tous. Ouais, je m'assois. Là, ici, c'est pour les vieux! Oh, allez, ma soeur! Viens, Bébert, je suis tout ici derrière! Steven! Papa. Steven! Viens, Bébert, cache-toi derrière un canopé! Viens, Steven, viens avec maman! Viens avec maman, Steven! Venez, encore des pétards? Le chibi! Derrière le canapé! Oh putain! Tu restes pas avec moi? Ok. Je peux pas. Putain! Ok. Tous à terre, mes frères, tous à terre! Mettez-vous à terre, s'il vous plaît. Oh, circule! Mettez-vous à terre, bordel! Ne paniquez pas, s'il vous plaît. Non, je bosse pas demain. On ne peut pas entrer. La personne a été neutralisée, ne paniquez pas. Mon fils! Moi, je me barre d'ici! Mes frères, vous êtes où? J'ai peur, t'as pas de mal, ils ne t'en ont pas donné? Non. Tyler! LG, ils ont pas donné de place! Tyler! Pour femme, oui. Pour homme. Ah oui, pour homme, je crois que j'en ai encore. Mais Tyler, il est pas là! C'est pour Ethan, c'est pour le. Oui, poussez-vous, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, je suis désolé. Ils sont de l'autre côté, mon frère, il est de l'autre côté! Ouais, c'est trop. Mais mes frères sont de l'autre côté! Mes frères sont de l'autre côté! Madame, monsieur. Ta gueule! Non, mais. Il s'est fermé! Mais mes frères, ils sont de l'autre côté! Ne vous inquiétez pas, ils vont bien. Vous avez été séparés en deux groupes. On peut pas faire des allers-retours comme ça maintenant. Faut qu'on mette tous les civils okay, ensemble, faut pas qu'on les disparaisse. Ouais, mais les méchants, ils ont pas parvenir! Parce que. Oui, justement. Bah, Cirque.
circle, s'il vous plaît. Je comprends votre désarroi. Ok, ok, ok. On se calme. Tous les agents qui sont en temps, vous rentrez à l'intérieur de la mairie et vous bloquez les portes. Vous barricadez les portes d'accès. On va tous crever. On va tous crever. Fermez-moi de gueule. Mes frères. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qui mes frères qui sont pas des frères? Elliot pour Drake. Ouais, Ezekiel. Les personnes qui sont derrière vous là-bas, celles rappelées vers monsieur le maire et moi-même. C'est vrai. Mes frères, ils sont blessés de l'autre côté. On va vous les ramener, s'il vous plaît. Chantez. Sur les mecs, ça se passe dans notre circonstance. Les bureaux, ok. D'accord. Vous avez un petit accent, vous venez quelque part en particulier? Ah non, je suis américain, je suis juste détendu. Ah ouais, on aurait dit un Suisse là. Un Suisse, un peu comme ça. Devant la porte? Oh, on me le dit souvent, mais non, je suis juste détendu. Il aime bien le bon fromage, puis le bon chocolat. Vous mettez là-bas près de la porte? C'est vrai, ils font du bon chocolat là-bas. Pour des belles montres aussi. Ouais, mais je suis pas trop friand. Tan, couche-toi! On parlait de montres, pas de friand. Fais comme moi! Je crois qu'il se fout de ma gueule maintenant. Et une nouvelle livraison, bien le bonsoir. Y'a plus de place là? Tu mets la place de la cartouche? Encore? Tu mets la place de la cartouche? Ok, le pire, on la met dans les bureaux à côté. Et puis voilà, c'est tout. Vas-y, rentrez. Oh Seigneur! Salut Miguel. Rentrez. Waouh. On se dépêche, s'il vous plaît. Tirez-vous un peu, tirez-vous un peu. Oulala, le monde. On a pas d'autre choix que de série. S'il vous plaît, on a pas trop le choix, d'accord? Dehors, ça tire, on a. Oh, on a eu deux personnes. Bonsoir, c'est civil. Bonsoir. J'ai une révélation à vous faire. On va tous mourir. Alors, s'il vous plaît, toutes les femmes ici présentes, dites-moi. Ouais, y'a bu. Moi. Alors, mesdames, messieurs, les femmes évacueront dans un premier temps lorsqu'on aura fini d'éradiquer la raclure qui se trouve devant, d'accord? Pourquoi les femmes devant? Parce que nos femmes sont énormément précieuses. Ouais, c'est ça, l'égalité. Du coup, c'est le contraire, alors, monsieur. On est pas sur le même. Pour un peuple allemand? Alors, les femmes resteront ici, combatteront à la place des hommes. Ouais, voilà, je suis jamais. Totalement d'accord. Une équipe de bataille. Moi, je peux rester. Je suis une femme, perso. Une équipe de quoi? Bataille mixte. Je suis une femme aussi. Ah, j'ai créé une équipe de parce que je trouve que les hommes ils sont vachement incompétents par rapport à nous. Je combattrai avec vous en tant que femme. Mais je pense que plusieurs femmes se lèveront aussi. Toutes les femmes qui veulent venir combattre, venez vers moi. Ouais, j'y vais. Levez-vous, mesdames. On est là. Circle, t'es blessé. Circle, t'es blessé. Tu restes là. Je vous passe dans 3 minutes et tu viens de voir après, d'accord? Circle, ordre du médecin, t'es blessé. Tu t'assois. J'ai du mal. Arrête de me genrer, j'ai une femme, s'il vous plaît. On se calme, ok, s'il vous plaît, ok, tranquille. Puis je vais faire la bagarre, mais tu vas venir. Oh, restez ici. Reste pas devant la porte. Et non, c'est les meufs qui l'a dit. J'ai peur. Dis-moi, excusez-moi. Il a dit les meufs. On se fait un dernier câlin au cas où on meurt. Y'a quoi? On se fait un câlin au cas où on voulait combattre. Et Tana et Wilma. Moi aussi, je t'aime, Zara. Oui. Oui, moi je combat aussi. Et sachez Gears que c'est un obstacle que Gaïa nous met sur notre chemin et qu'il faut le traverser. Que Gaïa soit avec. Ouais, grand-mère, tu veux qu'on botte, tiens yeah. Tu vas pas faire comme Pépère, hein, le gros batteur. Regarde Daniela. Ouais, Bichy okay, Baby, je fais la bagarre, Bichy. Très bien, je viens aux nouvelles. Mesdames. Oui. Sinon, ça va pas être possible, c'est bon. Ouais, les femmes voulant aller au combat sont là. Ouais, je suis là. Ils sont tous là, les femmes. Alors, vous devrez retirer votre masque et me prouver extrêmement que vous êtes loyal envers l'Amérique. Mesdames, moi je prends un joint même devant vous. Que personne ne retire son masque. Oh là là, qui c'est qui dit ça? La directrice du SAMD. La directrice du SAMD, sache une chose, c'est que je t'encule bien profond, d'accord? Retire toutes tes piqûres pendant que moi je suis dans le pays, d'accord? Écoutez, c'est simple. Ouais, Bichard, ceux qui veulent écouter, gardez vos masques par pitié. Allô, pour votre santé. Ah, mais. C'est simple.
C'est très simple. Oh, toutes les femmes qui veulent combattre à mes côtés, vous devrez m'embrasser pour me prouver que vous êtes loyal envers moi. Ah ouais, Mesdames, et vous les hommes, Les assaillants arrivent sur la mairie. Donc personne ne sort de cette pièce en tant que civil. Est-ce que c'est clair? Personne. Oh mon dieu. Non. Personne ne sort d'ici, c'est un ordre, vous avez pas le choix. Attends, de faire ce qu'on va faire. Attends. Ethan. Oui, quoi? Tu veux mieux sortir maintenant, justement? Non, S'il vous plaît. Mais on sort de là. Silence, s'il vous plaît. Fermez vos gueules. On est tout enfermé dans la mairie. Ethan, PPA, tu peux plus me, plus sérieusement, me fournir non, une arme. Bon, bah ça va être compliqué de parler vu que la rouquine elle veut que. Eh mais allez, taisez-vous là. Toi, tu vas te faire couper. C'est si à dire. On te coûte, tu vas mourir, chef. On te coûte, chef. Bon, alors. C'est bon, je peux avoir le silence ou la directrice SMD a encore me casser des burnes aux gens? Oui, allez-y, allez-y. Bien. Ah, il y a des terroristes qui arrivent même à rentrer dans la prison. Ça veut dire, je veux savoir qui a le PPA. Levez juste la main. Moi. Très bien. Est-ce que vous avez une arme, les PPA? Non. Non. Parfait. Nickel. Et bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va potentiellement procéder à un emprunt d'armes pour vos personnes. Incroyable. Mais vous devrez signer une décharge. Ok. Moi, je l'ai pas sur moi, mon PPA. Mais je peux vous aider. Maintenant, donnez-nous des armes aussi. Il faut donner les armes. Mais Poker, laissez-le finir, putain. Bah, écoutez, le seul et unique problème dans ce que j'ai dit. Paniquez pas. C'est bon. Écoutez, s'il vous plaît. À terre. Le seul problème là actuellement, c'est qu'il y en a qui arrivent à rentrer à l'intérieur. Donc on estime qu'il y a une personne dans la mairie qui donne des informations. En gros, Harry. Ouais, super. Je te le dis, c'est le maire. Oui. C'est les francs-maçons. Descends. Oui, c'est ça, c'est francs-maçons. Le maire, c'est un reptilien. C'est les francs-maçons. Écoutez-moi, s'il vous plaît, stop. On a une très bonne nouvelle. On vient de désamorcer la bombe, d'accord? Donc reprenez votre calme, tout va bien, d'accord? Les bombes, monsieur. Ok, très bien. On s'occupe du reste. Moi, je vais me mettre à terre ici, hein, c'est bien ici. Oui, t'inquiète, c'est beaucoup du Hezbollah. On est mieux là. On peut mourir, s'il vous plaît. Merci. Madame Bobby, vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît? Vas-y, capitaine, vas-y. Bah ouais, j'aurais bien voulu avoir une arme. Écoutez, s'il vous plaît, deux secondes. Attaque du coup de l'entrée de la mairie avec des roquettes, donc personne sort d'ici. Non. Et vous, monsieur le maire? Justement, il va se battre avec tout le monde. S'il vous plaît, restez au sol. Il faut mettre les canapés là dehors. Là. Défendre le pays. D'accord. Restez au sol, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont faim? Levez la main. J'ai pas. Les personnes qui ont faim, vous venez devant moi en file indienne, s'il vous plaît. Boire pour mon fils. Putain, j'ai plus à boire. Easy, je peux pas. Ok, dès que vous avez, vous écartez, s'il vous plaît. Easy, dis-moi, c'est des blessés dedans. Easy, c'est des blessés. Merci. Okay. Oh là. Hop là. Madame, elle va te donner à manger. Ils ont besoin de toi. On va tous mourir. Maintenant. Merci, madame. Tibet, viens à côté de maman. J'ai vu le sage. Sortez tous ici, j'arrive. Ok, est-ce qu'il y a des personnes maintenant qui ont soif? Venez devant merci moi. Merci madame. Vas-y, Ethan, vas-y, fonce. Mais comment t'es ton gilet par le vieux, viens avec tes mères là. Par pitié, restez. Daniela, tu vas m'emmerder jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout de la vie. Colonel. Il vient là, le gros mytho. Ouais, je suis un gros mytho, ta grand-père, hein. C'est toi, William? Ouais, c'est moi là. Actuellement, nous avons un équipe très très qualifié. Ils nous l'ont encore montré hier. Il y a des négociations qui sont en cours. Mes frères, venez derrière le bureau. Voilà. Qui n'a pas eu là, j'ai l'expérience. Ça attire. Moi. Ok.
Eh les gars, allez voir les autres POV. Non, merde. Elle est en train de kiffer beaucoup surtout. Beaucoup plus amusant. Voilà, mais merde, c'est bien. N'oublie pas que Bébéry est un menti ce soir. Mais merde, faut s'asseoir, ouais, mais voilà. Viens avec lui, Bébéry. Ouais, 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 je veux dire que je l'aime. Moi, c'est de te mettre ma bite dans, dans ta bouche. Ah, je t'en cul, toi. Attends, mais. Pour le moins, il est bien. Ouais, il est vraiment assez. J'arrive, ma mère. Kali, c'est pour te dire si jamais on meurt, sache que je t'aime, ma soeur. On s'en fout. Oui. C'est bien ça. Moi, j'ai personne à qui appeler pour leur dire que je les aime encore. Merde. Moi, j'ai envie de pisser. Me pisse dans la bouche, ça va t'hydrater. Pas trop long le confinement, bah écoute, si tu pisses sur les livres. C'est con parce qu'on avait, on voulait aller à Galapagos ce soir, mais bon bah c'est pas grave. Ok. Mais allez voir sur les autres POV les gars, je vous recommande parce que là vraiment vraiment. Regardez-le, regardez-le. Pourquoi il laisse son masque pour pisser lui ? Je sais pas moi. Non t'inquiète. J'avais une solution. Allez calmez-vous, calmez-vous, il est là le maire, il est là. Taisez-vous. Donc, pour vous expliquer, donc, les assaillants ils sont devant la pelouse, donc ils sont armés d'automatiques et d'explosifs, donc il y a des négociations en cours, d'accord ? Donc, les agents de la mairie, ils restent en train de vous protéger, et le SS... Oula, mais c'est à côté, c'est à côté ! Ok, restez au sol, restez au sol, là ! Évitez les fenêtres, tout le monde au sol, restez au sol, évitez les fenêtres ! On peut défendre le pays ! Mais donnez-nous des putains ! Mais faut qu'il nous donne des armes. Bah oui, donnez-nous des armes. Vas-y, fermez-la. C'est bon. Vous êtes pas des. Je sais pas quoi, d'accord. Donc vous êtes pas formés pour ça. Ah, mais y'en a qui ont PPA ici. Aïe aïe aïe. Oui, bah c'est bien pour vous, mais non. Je suis sûr. S'il vous plaît, faites confiance à notre équipe. Ils ont pas de défendre l'Amérique. Calmez-vous, des gens. Arrêtez de crier. Allez, par pitié, gardez votre calme. C'est impossible de voir ça. On veut des armes. Toutes les femmes ça devant la porte, si tu sais pas, si vous savez pas être là, ok, j'arrive, non, ok, merci, ok, je suis là, Vas-y. Ok, donc prends pas ça, on va faire un carnage. Est-ce que je peux faire petit là Non, fais les sortir un par un. Ok, allez, j'ai sorti un par un. Un par un. Chacun le tour. À lui, c'est mort. C'est bon. Ok. Au suivant. Allez, au suivant. Il passe le bloody. On passe en dernier, hein. Ok, le gros, tu passes. Un beau tour. Le gros, tu passes. Alors, il faut tous tirer dessus. T'auras pas le temps de voir l'extérieur, toi. Faites pas les coups, ils sont armés de tête, ils sont décérés. Pas les coups. Toi, le tueur en bleu. Pas possible, lui. Allez, en bleu. En dernier. Carnage! Allez, toi avec ton génie par balle, tu vois! Allez, on y va, sortez! Tire! Allez, sort! Allez, tout le monde, allez, vous avez des chances sur votre oreille! Allez, sortez, mon petit, pas vous faire sortir! Allez, au sort! On sort! Allez, mon petit, ouais! On sort! C'était la pire idée! Courez maintenant, il y a de la fumée, courez. Courez.
Tu rigoles. Viens mon vieux, viens mon vieux. Fais deux lignes d'otage, là, fais deux lignes d'otage. Allez, Denis, Denis. Allez, allez, on lance. Allez, tout le monde, vous allez dans la dernière danse. Allez, dansez, mon cher. Donc, on est prévenu les mains vides. Il y a le libérateur, il va vous poser une bombe atomique dans l'Amérique. Nous voulons l'Amérique juste, ça veut dire sans les... Hein? Prouve que nos frontières sont trop accessibles de nos jours. Ouais, vive l'Amérique, quoi! Attends, t'es quoi, toi? T'es un quoi? T'es un Américain, toi? Moi, je suis Américain. Moi. Mais t'es d'origine quoi? Je suis en Amérique, moi. Il est où le maire? Parce que là, il y a quelqu'un qui a dit qu'on était raciste. Ma gueule! Non, il est pas américain, lui non plus, d'ailleurs! T'es américain, toi ou pas? Regardez celui-là avec l'ourson! Oh putain, ça se voit qu'il est pas réveillé, les carrés. J'ai la vérité, c'est un chien qui prend la gueule. Sale trait. Putain, la blague. Ok, je suis afro vénézuélien. Arrête de danser, arrête de bouger. Viens avec moi, il y a les flics devant qui veulent parler. Ok. Arrête de danser. Qui a dit qu'on était là? Qui sont des conservateurs? Attendez, faut qu'on commence à virer du monde. Oh putain. Ta gueule, tu veux prendre la Est-ce que quelqu'un. Et esthéticienne dans l'eau là. Ouais. Non. Ouais, la personne t'a dit ouais avant toi. Ouais, je suis là. On l'a rasé celle-là. Avance-toi. Rasez-lui le crâne. Salut. Super, tu veux dire avec nous. Vous allez jamais le croire, la famille. Ils veulent qu'on libère des otages. J'abandonne. Je garderai mes poils. Ils veulent qu'on libère des otages, non mais. Eh, venez, on fait un otage. Il est là, je le vois là. Putain, il est là, le traître. Il est où? Je vois pas. Il est derrière la dame là. Il est où, mon? Je te vois. Le traître. C'est lui. Il est où le vieux? C'est lui le fameux faux jumeau là. Ouais. Ah, Chimus, on te suit dessus, voilà. Le vrai Eagles. Voilà. Vous allez finir comme lui, avec une bombe explosée, ça va y chier partout. Oh, non. En plus, elle est vachement. Vous voyez le vieux là? Ça va, on va l'écouter. Qui a dit non? Il est derrière. Je tire sur tout le monde derrière. Vous êtes responsable de la mort de tout le monde, c'est ça? Je vais me mettre un petit peu par devant. Alors là, bouge pas. Allez, ça commence. Toi là. On va faire un petit quiz, les enfants. Hein? C'est le moment du petit quiz. Si vous savez pas répondre, vous allez mourir. Allez, c'est parti. Les gars, j'ai besoin de vous. Les gars, montrez-moi que vous êtes là. Combien il y a d'états en Amérique? Combien il y a d'états? Alors, 50. Attendez, on est en train de faire un quiz. Si vous ne pas répondre, il meurt. Est-ce qu'il y a des médecins? Y'a pas de médecins? Pas de médecins? Qu'on les bute. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a des flics? On a les mains en l'air, ils nous posent des questions. Les flics, elle est dehors. Ils nous forcent à danser. Et je vais dehors. Mais pourtant, ils nous ont pas vu avec Elena. Dépêche-toi. Je jurais, j'aide pas. Les flics dehors. Non, calme pas. Ils sont en face de l'accueil et tous les civils, les otages sont sur la gauche regroupés. Ok. Est-ce qu'il y a des femmes enceintes? On est tous regroupés. Ok.
Donc quand vous rentrez, aucune femme assez nette. Superbe. Il y a des procureurs ou des juges. Parti. C'est qui la juge Savannah? J'ai un conflit perso à régler. Arrête. Vous pouvez partir, madame. Bonne soirée. Elle dépêche. Attends, je sais pas si c'est ce non, ça c'est pas juste ça. C'est bon. Attends. Est-ce que parmi un, il y en a un qui aime bien fumer de la chicha? Je préfère la weed. J'ai une chicha à manger. Tu veux de la chicha? Ok. Putain. Oh. Vous en avez un, oui? Attends, derrière, on va. Ok, ne bougez plus. Arrêtez la fumée, petit vous plaît. On s'en libère beaucoup de gens parce que vraiment, ils sont beaucoup. Ok, est-ce qu'il y a des vrais américains? Oui. Oui. Ouais. Salaud. Mais c'est tous les bras, c'est tous les bras. Les vrais américains, ils les bras en l'air. On va vérifier. Ok, montre-moi ta carte. C'est qui ment, il meurt. Toi, tu peux baisser, tu peux baisser, toi, tu peux baisser, toi, tu peux baisser. Mais comment je fais, moi? Je montre quelqu'un. Mais c'est que de l'Amérique, vous êtes trop cassé. Mais l'Américaine. Sauf le maire, tu restes à le maire. Les clip-page. C'est que c'est chinois, moi. Allez, pour ceux qui ont pas compris, c'est quoi ton mouvement? Allez, où la vieille? Je peux pas le laisser. Allez, où la vieille? Tu vas. C'est pas le moment. C'est bien, on sort, on est américain. Ouais. Non, je te laisse pas, mon frère. J'ai un pari. Putain, tu vas te mettre. Pas sans toi, mon frère. Yo, grand-père. Alors, rentre dedans. Il y en a qui triche là. Rentre dedans. Attends, orange, tu rentres. Allez, on rentre. Toi aussi là. T'es prisonnier là, rentre. Allez, rentre là. Pas si bon, on a assez de prisonniers après. C'est bon, on a trop. Oh merde. Américain. C'est putain. Où sont les enfants? Que sont les enfants? Oh putain, j'allais presque sortir sa mère. Oh merde, c'est parce que dehors. Merde, nos frères. Mais c'est les premiers reptiliens, mais pas nous. C'est proche du but. J'aurais pas dû les laisser sortir. Allez voir. Michel. Vas-y. Okay. Oh, je te les garde. Oh là là, vous êtes beau. Ouais. Une belle brochette. Hein. Une belle brochette. Il est où, Chemes? Attendez. Libérateur, regarde-le de gauche. Regardez. Mais je t'aime quand même. M'occupe des honneurs qui sont là. Tu ce qui est pépère, mes mères. Je sais pas où ils sont, maman. Je sais pas qui c'est, mais je serai sûrement morte. God bless America, vous my fucking America, bro! Je les aime! Aïe! Ouais, quête, Clever, ça va aller. Je vais pas mourir. Qui m'a mis ça dans mes yeux? Je sais pas moi, où est-ce qu'ils sont, mes pères et mes mères? Du coup, d'accord. Oh mon dieu, quelle horreur! Une deuxième horreur, une troisième horreur! Mais moi, je suis américain et je suis grave beau gosse. Non, t'es surtout comme ça, hein! Eh, hey, le dernier assis, c'est une grosse pute. Waouh, il y en a un, il est assis. Vous êtes en panique ou quoi? Attention, t'es qui la pute des deux? C'est le dernier assis, là. Ah, c'est lui la pute. Regardez-le. Oh, putain, je l'ai esquivé. Bien joué, monsieur. Ah, bah, mais tu... Pute, là, quand même. Attendez, celui-là, il croit qu'il triche ou quoi? Tu t'assois par terre, on t'a dit. Il est fou, celui-là. Oh, mais où est-ce qu'ils sont, pépères, les pépères? Parce qu'on parle un talent. Ah, monsieur Flores, hein? Ah bah oui, ah, hein. Lui, bah alors, c'est lui, notre mère. Vous savez que quand vous avez été élu, j'étais contente. Hein, je me suis dit, c'est un partisan du dos. Ah ouais? Et finalement, voilà, vous passez vos soirées dans le sud. Vous avez totalement laissé et un pépère, il est sorti ou pas? Bouh, le maire, un petit bien. Steven, t'as vu Pépère? Non, Chèbe, je l'ai pas vu, maman. Voilà, je les ai pas vus, même, je l'ai pas vu. Allez, mes gars, Lève. Baisse tes bras, fou. Il peut me sucer, moi, peut-être, s'il veut, hein. Ah, entendu, vous dit quoi? C'est qui celui-là? Regarde le maire. Eh, laissez le tranquille, reculez, j'ai un bug. Le maire n'est pas. Elle a les Elle était excellente, celle-là. Tu vois là-bas? Atomique?
Non, non, c'était premier degré, voilà. C'est vrai, c'était excellent. Oui, c'était excellent. J'ai beaucoup aimé. Lève-toi. Oh, bon sang, bon sang. Lève-toi, danse. Allez, danse. Danse. Allez. Les barres de saut, ouais. Danse, bordel de merde. Les barres de saut, là. Allez. Là, là, voilà, là, là. Et chante maintenant, chante. Ok. Ouais, me moquer, c'est pas bien. Me moquer, c'est pas bien. Allez. Comment ? Me moquer, c'est pas bien, chante cette chanson. Me moquer, c'est oui. Pas super chouette. Ouais, parfait. Me moquer, c'est pas bien du tout. Et la main du maire, que j'ai pas encore noté, que je vais me noter. Me moquer, ma belle. Tu m'entends, Zara ? Ok. Ça va, ma Steve ? Stéphane ! Alors, c'est une bombe atomique. T'as pas compris. Pas le barème, ça va ? Pas le barème. Tout ce qui est au-dessus, c'est ok. Tout ce qui est au-dessus, c'est pas ok. Zara, si tu parles, on t'entend pas. Steven, tu m'entends? T'es belle, ma mini, t'es belle. Je oh, merci, je suis. Oui, ça va, et ton moment? Non, ça va pas, non, je m'inquiète pour Pépère, mais merde. Arrêtez de me montrer cette merde! Maman? Quoi, qu'est-ce que t'as? Ok, qu'est-ce que vous voulez de moi, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fous là, toi? La première bombe atomique au large. J'ai vu l'effet que ça fait, le champignon. Maman? Ouais, qu'est-ce que t'as, Steven? Très envie. Regarde-le. Steven! Oui, tu peux l'extrayer. Je suis stressé, je sais pas où est-ce qu'ils sont, Pépère et Médère. On veut que des Américains, il est vrai, des Américains, c'est-à-dire des Américains. Non, je suis beau, je les ai perdus. Garde le fils Mali. Avec une peluche. C'est normal ce qu'il fait là, c'est normal. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait, pas que tu fasses ça, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Non, je peux pas ça. J'ai dit, tu pourrais attendre que les invités soient prêts. Oh, j'ai trop envie. Moi, je suis un gros dégueulasse, hein, quand même! Hein. Qu'est-ce que t'as dit? Non, j'ai rien dit, mon homme, excuse peu, hein, mais je t'as dit quoi? C'est un gros quoi? Mais non, je suis pas mon ouais. Fils, mon fils, il va faire pareil, hein, faut pas! Hein. Ah, ton fils va faire pareil, hein, on va voir si ton fils tu vas le rejoindre, hein! Ouais, non, je te plais, Michel! Ah, bien d'accord, fais attention à ce que tu dis! Ouais, ça va, chaud! Le seul moyen, c'est de les écouter, non? Jamais tu critiques Jackie! Tiens, tu veux le nounours? Ouais, chut, t'es bien gentil avec ta nounours, donne! Prends si tu veux le nounours! Prends le nounours, Steven! Tu verras, il est tout mouillé, hein, c'est pas pour un! Je crois que il sent bizarre le nounours. Oui, il sent bizarre. Oui, c'est une sauce américaine. Regardez, il sent bizarre. Ah, il sent bizarre. Alors, allez, un mec de quartier qui se lève. Allez-y, ça me fera rien. Il y en a qui perdent. Il y en a deux, Allez, avance. Va là-bas, va là-bas. Voilà. Ah ben c'est bon, il l'a dit. L'ex-capitaine, écoute-nous. Écoute-nous, l'ex-capitaine, écoute, tu nous écoutes. On va faire un petit jeu retourné derrière. On va le retranscrire. Le dernier qui enlève pas son masque, on lui met pas dans la tête. Rigole. 1, 2, 3, go. L'ex-capitaine, Didi. Le dernier qui enlève pas son masque. Allez. Le dernier qui sera le dernier. On va vous montrer qu'est-ce qu'elle a vraiment. Oulala, je sens que lui. Je sens que lui. On laisse lui avec. Bon, avant de partir, il y a des petites choses à faire là. Allez, cassez-vous les otages, cassez-vous. Allez, on dégage. Allons-nous-en. Qui connaît où le truc là? Je sais pas. Allez, on va sortir les otages. C'est mon père qui m'a offert ça. Allez, on y va. Steven! Ah, du schéma, Steven! Dégagez, doucement, dégagez. Steven! Le colère. Dégagez. Le plus loin possible, derrière les blindés. Steven! Allez à l'abri, derrière les blindés. Steven Dagamin, viens! Oui, allez-y, si vous pouvez. Et attends, y'a tout. Ils sont où mes mères, Pépère? Je sais pas, je le cherche. Je peux ramener une personne si vous souhaitez. Je peux ramener. Mes mères, Pépère! Attends, putain, on a pas d'auto, nous! Tu sais où ils sont? Je sais pas. Putain. Appelle-les. C'est pas vrai. Steven, cache-toi dans les WC, viens.
Mets-toi, allonge-toi, maman, allonge-toi. Oh, j'appelle Pépère. La mairie. Oui, nous aussi, on est devant. Rejoins-nous au fond du parking. On est là-bas. On ne doit pas, on vient sans t-shirt, nous. Attends, on va demander au policier, viens. Ah, je sais pas, j'ai une voiture. Un du ski pépère. Il m'a dit qu'ils arrivaient au parking. Ah, 10 secondes ici. Je lui renvoie la position. Oh. Mais je vais me mettre dans le canapé en train de regarder pour vos gloire et beauté. Attends, est-ce qu'on les voit? Ils sont où, Pépère, mes mères? Je sais pas, mais... Venez là, derrière. Mettez-vous à la couverture. Ah, tu sais, t'as vieux, appelle-le. Oui, venez, courez, on est sur une voiture bleue, moi, maman. T'es où? Attends, maman, va sur le parking, y'a Pépère dans une voiture cabriolet. Et mes mères, elle est où? Bah, je peux pas, je sais pas où elle est. Mais le parking, on peut pas rentrer. On est sur une voiture bleue, juste à droite, Pépère. Tu nous vois ou pas? Tu vois où y'a le bâtiment des toilettes? Et ben, on est là, nous. Tiens, nous, on est dans une voiture bleue. Tu nous vois? Madame, messieurs, dames, venez. Non, Pépère, je veux pas te lâcher. T'es où, Pépère? Casse les barrières, maman, là. On a la madame la procureure qui est à terre. D'accord, elle était inconsciente, on a fait un match. On est sur le parking, t'es où? Pépère? On est sur le parking, t'es où? T'es où, Pépère? Bah, on est sur le parking! Non, Pépère, t'es où? Non. Cassez-vous d'ici! Bougez d'ici! C'est pas maintenant, Pépère, il faut que tu le fasses, c'est pas maintenant! Attention, Walentor, vous faites gaffe! Pépère, t'es où? T'inquiète pas pour moi! Pépère, faut pas faire les choses à la Walligan, là, il faut que tu viennes vers nous, t'es où? T'inquiète pas! Salut, Steven! Non, t'es. Pépère! On t'attend! Il veut pas me dire où il est, Pépère. Là, je sais pas où est-ce qu'il est, Pépère, putain. Il m'a dit qu'il rentre à la maison et qu'il voulait faire la guerre. On peut essayer de retourner à la maison, voir s'il est là-bas. Oh, ça va. Il veut plus me répondre, il me répond plus du tout. Bah, on s'envole, mais ouais. Oui, j'ai trop mal au crâne. Attends, faudrait que je mette en position. Ah,
Ah, tant pis pour Pépère, hein, je l'aurais bien ramené, hein. Il veut plus me répondre. Et ma mère, elle s'est endormie, ma mère. Moi, je pense pas, ouais. Ah oh. Oh. Je suis pas grave, bon, fiché à raccourci, t'inquiète pas. On a eu pire. Oh merde. Aïe, à chaque fois. Aïe, ça va. Je la vois pas. Ça va, t'es pas blessé. Bah non, tout va bien, maman. Il y a eu pire. Putain, j'ai eu peur, je l'avais pas vu. Et bah, de toute façon, c'est le bordel, maman. Hein. J'ai la panique. C'est plus la panique, là, c'est le bordel. Y'a rien qui va, maman. Putain, je suis désolé, je l'avais pas vu. C'est pas grave. Tu sais, il y a eu pire là, maman. Ouais, mais quand même, quoi. En fait, je pense au passé sous le côté là. Tu sais, ta mère, c'est un pilote un peu, hein. Oui, je crois que moi, je vais aller. Pareil, je vais aller me reposer. Un peu aussi, hein. Oui, ça m'a. Waouh. Vraiment, maintenant, si j'entends des alarmes comme ça, je regarde les feux de l'amour, hein. Je sors pas de la maison. Faut pas sortir de maison, hein. Ah oui, non, là, non, je sors plus de la maison. Je peux... en même temps, t'as vu la voiture comment elle va vite? On la garde. Je me rebats. Lilian me répond pas, mes mères me répond pas, et y a personne qui me répond. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain! Oui, mon goal, ça va, Circle? Oui, tu t'en es sorti de la merde? Vite, à la maison, à la maison, à la maison! Comment ça me tuer? Oui, moi, je veux tes excuses, Circle, je veux qu'on redevienne amis. À la maison, à la maison, à la maison! J'ai jamais été aussi vite pour aller à la maison! Et vite de faire des sauts pour moi! Hein. Quoi? Les sauts de l'ange! Ouais, je sais, mais j'ai ah pas. Non, je sais, t'as pensé que la voiture c'était une fusée! Ouais, ça, je voulais. Non, mais je l'avais pas vu, hein! Vite à la maison, à la maison! Vite, seule maison, vite! Oh putain! On va mettre cookie grand-père! Putain, c'est dégueulasse, hein. Où est-ce qu'il est, Steven ? En fait, c'est petit à petit, c'est parce qu'on n'a pas de bombe de tag, etc. Bon, et là, il y a Nolan. Oh, il est là. Je te coche chaud. Bon, mais je vais faire dodo, hein. Bisous, hein. Dors bien, hein. Oui, moi aussi, c'est bon, je sors plus. Ouais, on sort plus, hein. Vas-y, dors pas, hein. Bisous, oui, hein. C'était assez agité, c'était énervant. Ouais, si, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai, ça. Il y avait Pépère devant, je voulais le prendre avec moi. Oh, mais il y a Tata. Ah oui, Tata, elle dort. Mais elle va bien, Tata. Attends, Nolan, il va bien, Nolan. Bonne nuit, maman. Ouais, bonne bien. Nuit, hein. Bisous, hein. Bisous, maman. Attends, si je la mets comme ça. Bon alors, on va dire qu'elle prend toute la place. On peut s'allonger sur le lit. Attends.
Ah d'accord, je suis sur Shanna, y a pas de problème. Bah, je sais pas, bah si, ça peut être drôle en vrai, parce que elle va raconter tout ça, ce qui s'est passé, tu vois. Bah si, je vois pas pourquoi tu le mettrais pas sur flashback en vrai. Bon. C'est qui est dans la maison? Si, le grand-père, il a fait des révélations. Il y a grand-père qui a... Il y a grand-père qui a dit qu'il avait, trompé... Qu'est-ce que t'es fait là? Je t'entends courir dans le maison. T'as dit quoi? Je t'entends courir dans le maison. Mais c'est normal. On va essayer de dormir, hein. Oui. Bon, il dort, bah... Toi, tu dors pas? Bah si, je m'en vais dormir, là, mais je t'entends courir dans le maison partout, là. Oui. Je regardais si Pépère et Mémère, ils étaient dans le lit. Non, mais Mémère... Ouais, il y a que Pépère, ouais. Moi, je sais pas comment on dirait carotte grand-mère. Bisous, hein. Bon, moi, je vais tirer sur mon téléphone. Ouais, vas-y, va sur ton téléphone. Bisous, maman. Ouais, bisous, hein. Si, moi, pff, ouais, RP, pas RP. Ça fait partie quand même d'une aventure qu'on a vécue, donc bon. Oh, elles sont trop mignonnes, les sœurs. Ouais, c'est semi-RP, tu vois. Bon, moi, je me suis bien amusée quand même. Mais bon, c'est vrai que pour la trame RP, ouais, puis en plus, c'était marrant en vrai. Vous voulez aller voir qui, les gars? Bof de ton côté? Ah ouais? Je sais pas qui on pourrait voir. Ah, le dégradé, ouais, le fou rire quand même. Oh là là, le dégradé, putain de sa mère, je m'y attendais à peine. Je te mens pas. Je sais pas qui raid, les gars. I don't know. Bah, je sais pas, après, vous voulez partir sur un autre jeu? Moi, y a pas de problème. Hein. Vas-y, je suis chaud pour un autre jeu. En vrai de vrai. Vous êtes chaud? Moi je veux bien, hein. Mais quoi? Oh, pa. Perso, t'es chaud? Vas-y, ça marche ou pas? Bonne nuit? Non, non, pas pacifie, frère, abuse. Quoi, vous voulez repartir? Non, fais pas le truc 2 là. Ce jeu de l'enfer, là. Non, papa, bah, je m'en branle. Papa, pacifie, frère, je suis toute seule chez moi. Non, c'est mort. Je sais pas à quoi on pourrait jouer, genre. Un truc sympa. Non, mais pas pacifie, par contre. À quoi on pourrait jouer? Bah, le jeu de tout à l'heure. Mais il fait trop peur, frère. En plus, je suis toute seule chez Wham's B. Attends, je regarde ce que j'ai. Putain, Lockdown Protocol. Putain, on aurait pu le faire aussi, ça. Mais vas-y, je connais personne qui l'a, là. Ouais, mais pas le soir, frère. Je suis toute seule chez moi, c'est mort. L'après-midi, pourquoi pas, mais pas le soir. Ouais, mais quand il court après, frère... Et alors, t'es tout seul, ça fait quoi? Bah, j'ai peur, c'est tout. Quand il y a quelqu'un, ça va mieux.
T'as capté? Attendez, je vais faire pipi en même temps, je réfléchis. J'arrive, à tout de suite. À de suite, les gars. Voilà. Ah. T'as dit quoi? Il y a de la tension parce que le jeu est fait pour, mais en soi, je te jure, il n'y a rien de flippant. Ouais, bah dis ça pour toi. Je sais pas à quoi on pourrait jouer en vrai. Attends. Attends, Day by Daylight, ça vous dit les gars ou pas? Ça, ça passe. Si tu viens, je viens pas si tu vas là-dessus. Ah ouais? Ok. Et ouais, les Resident Evil 5, c'est toujours pas les DLC. Ah ouais, Moran. Je sais pas moi en vrai. Hein. J'ai envie de faire un jeu cool. Tu vois? Ben moi j'ai peur.
Genre. Mais j'ai pas total accroché, hein. Je vous mens pas. Attends, je suis en train de chercher dans la bibliothèque, là, ce que je pourrais avoir. Eh, attends, Momo, on a même pas essayé The Timeless Child. C'est quoi, ça? On a téléchargé ça, on a même pas joué. The Timeless Child, ça te parle ou pas? Quoi, je m'auto-contredis? Bah, j'ai pas, bah, je m'auto-contredis pas, juste je l'ai fait télécharger, mais j'ai pas accroché. Bah, je sais pas, apparemment, j'ai The Timeless Child. J'ai joué apparemment. Je sais même pas ce que c'est. Attends, le 4 septembre. Attends, je me déco là. Vas-y, attends. C'est un prologue. Ah, je sais pas, attends. Je sais même pas ce que c'est ça. Je te mens pas. Vous avez le son ou pas? Parce que moi je l'ai pas. Ah oui, mais on n'a pas pu jouer parce que les serveurs ils étaient full. Ça marchait pas. Ah ouais. Je sais pas. Et franchement, je vous mens pas, les gars, je sais pas à quoi jouer. Attends, je mens comme ça. En vrai, j'ai pas envie d'un jeu qui fait peur là. Putain, je cherche, j'ai pas. Hein. Vas-y, hein, ça va partir sur une fin de live, je crois bien, parce que j'ai pas. Franchement, honnêtement, je vois pas à quoi jouer. Bah, moi, j'aurais bien voulu, hein. Ouais, j'avoue, hein. Ou alors, j'aurais bien fait un Uno, là. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de jouer à Uno. Y'a Uno ou pas? Attends, je vais taper. Voir si c'est payant. Putain, c'est 10 balles, le Uno, les gars. Wesh. Eh, 10 balles. Bon, ça va partir sur une fin de live. Hein. Voilà. Non, en vrai, je sais pas. Il a 10 euros. Bah oui, 10 euros. Non, mais c'est quoi ça? Les gars, je tombe sur des jeux. J'ai tapé jeux de société. Et j'ai un Ham, Stock and Cook. Et je... les premières images que je vois... mais il y a vraiment des jeux bizarres sur Steam ou c'est comment l'histoire? C'est quoi ça? Projet Playtime, c'est quoi ça? Projet Playtime. Attendez, je vais vous mettre. Vous voyez ou pas? C'est quoi ça? Guarded gem of the Forsaken. A relic of innocence left behind like a misfit toy. Call me a forsaken fool. C'est gratuit? Ouais, ça, c'est un jeu qui fait peur encore. Okay. Hi there. My name's Leif Pierre. And welcome to your job as a resource extraction specialist. Ah, c'est un jeu qui fait peur. Bon, laisse-moi. You need to collect toy parts to make a giant toy. Get that giant toy on the train, then leave. Simple, right? Mm.
Wesh. Oh wesh. Oh. Non, 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 bah non. Bah alors non. Les gars, j'ai tapé jeu de société et là, vous voyez, il y a un truc bizarre là, à 10 balles. Voilà, hein. Je sais pas ce que c'est que ce bordel, mais... Putain. Putain. J'ai tapé juste du jeu de société. Il a l'air sympa ce jeu. C'est quoi ça? Quoi, fais gaffe, j'ai pas cliqué. Bah j'ai pas cliqué. Ouais, je vais bégayer, hein, la vie de ma mère. Hein. Non, 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 je clique pas dessus. Hein. Oh, il a l'air stylé de, le jeu, par contre, là, celui-là, là. Bah, les gars, je sais pas, moi. Fortune Avenue. Ah, le gros dégueulasse, il joue à GTA. Ouais, 10 balles aussi. Je sais pas, je te mens pas. Je regarde, mais... Oh, j'aime pas les jeux comme ça. Podcast. En vrai, plus t'as dans la vie, j'ai l'impression que plus t'as le choix et moins t'as de choix finalement. T'as compris l'idée ou pas? Oh, c'est bon! Oh, mon petit game, ça va ou quoi? Comment tu vas? Je cherche un jeu à jouer, là. Ah, attends, je peux pas. Attends, oui. Attends deux secondes. Attendez deux secondes, les gars. Je fais un truc. Ba, 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 bam. C'est bon, Gims. Normalement. J'y viens normalement. Regarde si c'est bon. Je sais pas. Les gars ! Donnez-moi une idée là. Gims, tu veux bien jouer avec nous ? Viens, on fait un jeu, Gims. Gims, t'es obligé de faire un jeu avec nous. Bah, moi aussi, je cherche, je te mens pas. Pa, 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 pa. Après, on a fini le dévour. Bah, vas-y, vous êtes trop long, c'est bon. T'es marrant, toi. Bah, trouve avec ton vieux pacifique caca, là. The Bee. Askip chez Alien versus Predator. C'est quoi ça? Ça, c'est mon mec qui a ça, là, non? Alien versus Predator. Gibbs! Nan, nan, nan. Bon, bah, vas-y, je vais aller sur une fin de live. Je trouve pas de jeu. So sorry, les gars. Ouais. Vous voulez aller voir qui? Puis au moins, ça me fait pas coucher trop trop tard non plus, tu vois. Attends, on va trouver un copain de flashback. Ouais, je vais scroll pendant 3 heures sur TikTok. Bon, allez, let's go, je vais raid lui.
Vas-y, let's go. Je vous fais des bisous, les mecs. À demain. De bonheur et de bonne humeur. Des bisous. Dormez bien. Putain, c'est con, j'aurais bien trouvé un jeu, mais là, j'ai pas d'idée, en vrai. Bisous. Dormez bien.